Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode, un petit live du Vortex le 17e. C'est incroyable qu'on soit là ce soir, encore pour un magnifique live. Nous sommes toujours dans les locaux d'Orange à Talente, à Cesson-Sévigné, à côté de Rennes, qui nous accueille à chaque fois dans cette magnifique salle où on peut eh bien faire ses lives, et ça c'est toujours hyper sympa de leur part. Euh, ce soir, je suis accompagné de Dimitri. Monsieur Bidouille, comment vas-tu bah, ça, va, ça va mieux, on va ça dire. Ça va mieux. Parce que, honnêtement, ce live <laughs> dimanche n'avait pas lieu, tout simplement, <laughs> parce que Dimitri m'a appelé en me disant J'ai 40 de fièvre, je suis <laughs> en train de mourir au fond de mon lit. J'avais une euh... grippe, ouais. Euh, heureusement, je me euh, suis vacciné contre la grippe. Et en fait, quand on est vacciné, on peut avoir la grippe, mais moins fort. Et donc, et donc je pense que le live, c'est ce qui a sauvé. Merci, le, le vaccin contre la grippe. Exactement. <rire> en <rire> voilà. tout cas, on est super contents de, de t'accueillir. Euh, toi, tu officies depuis... On a regardé tout à l'heure, ça nous a pas rajeuni. Depuis 2013 sur et oui, YouTube. Et oui, bah oui euh, 10 ans en agent inter d'Internet, ça comme fait les chats, un hein. siècle. Hein. Oh, oui, c'est ça, ça c'est ça, ça. Ça, hein, 10 beaucoup. ans pour un an. Donc ouais, tu, tu es un doyen du web, toi aussi. Je suis vieux. Tu oui. es vieux. Euh, et on a remarqué quand même quelque chose sur ta chaîne qui revenait relativement régulièrement. C'est un peu le sujet dont on va parler ce soir, qui est... Le le mouvement perpétuel l'énergie libre euh, c'est un peu ta marotte un hein, ton marronnier quasiment qui, qui revient ouais. régulièrement ouais bah c'est un truc en fait que j'ai je fais de temps en temps des vidéos pour le fun euh, pour essayer de soit de débunker des, des trucs soit expliquer pourquoi ça marche pas j'avais fait une vidéo par exemple sur pourquoi le, le mouvement perpétuel magnétique ne fonctionne pas euh, j'ai fait une vidéo où j'ai essayé d'expliquer la dernière vidéo c'était plus sur comment on peut nous arnaquer en planquant des câbles euh, ou euh, en faisant du montage vidéo, etc. Quoi Tu veux dire que ça marche pas euh, On ne le on... sait pas encore. Ouais, on va, on va étudier la question. On va en tout cas, c'est vrai <laughs> que sur ta chaîne, toi, tu parles un peu de technologie en général, d'industriel, de, ouais. de vulgarisation ouais. technique, c'est ça Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien le terme vulgarisation technique. Alors, vraiment, les formats, on va dire, phares de la chaîne, c'est en ce moment les. Les visites, voilà, avec un format un petit peu revisité. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos, mais c'est un peu changé, avec plus de modalités, etc. Plus de moyens, ouais. <laughs> euh, et, euh, et donc, ouais, voilà. Donc, les visites, c'est quoi bah, C'est que je vais sur des chantiers. Euh, typiquement, par exemple, j'en sais rien. Euh, récemment, j'ai visité un data center. Et donc, on va voir vraiment comment ça marche. C'est une sorte de sépa sorcier en version un peu plus vénère, on va dire. <laughs> un peu plus vénère euh, Voilà, et donc, euh, bon, vous avez, vous avez de l'accélérateur de particules, vous avez du tunnelier, vous avez. Euh, Des datas. De, 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 de la centrale ITER. à fusion nucléaire, ITER, ouais. voilà. Euh, bon là j'ai droppé les meilleurs trucs. Ouais, mais ouais, ouais. Euh... En tout cas si vous aimez y a, la y a technique, des... c'est une chaîne de qualité. Voilà. il y aura aussi des mines de lithium bientôt, voilà. Donc je, je, je tease. C'est la prochaine. Euh... Non c'est pas la prochaine qui va sortir. La prochaine qui va sortir, c'est pourquoi les Parisiens sont... ont tout le temps des travaux sur les lignes de train Voilà. Ça ne concerne pas Rennes. <laughs> Donc euh, ceux qui savent, si vous êtes de Rennes, vous savez de quoi je parle. Euh, tout ça pour dire qu'on avance bien euh, donc grosse soirée ce soir vous savez euh, vous avez aussi la, la possibilité de participer j'en profite pour accueillir tous les gens qui nous regardent donc bien sûr en stream sur Youtube ou sur Twitch coucou Arte hein, des bisous euh, vous allez voir en plus on vous a préparé une petite surprise pour vous spécifiquement sur Twitch donc de rester bien attentifs. je vais vous décrire un petit peu donc, ce qui va se passer ce soir on va avoir une présentation d'environ 1h 1h20 avec euh, Dimitri qui sera on va dire émaillé de questions euh, en lien avec euh, le sujet de ouais. la soirée et euh, ce quiz eh bien vous allez pouvoir euh, participer et Gagner. Voilà, vous allez pouvoir aller tout simplement euh, soit sur directement à aslides.com avec euh, le petit, euh, la petite URL. Énergie libre, euh, ouais. merci pour cette URL de qualité, ou tout simplement euh, scanner euh, ce QR code chez vous. Que vous soyez sur YouTube, sur Twitch ou dans la salle, hein, parce qu'on a un public euh, fantastique qui est avec nous ce soir, euh, vous pouvez jouer. Et celui qui fera le meilleur score, attention, vous aurez la possibilité de pour la première fois au Vortex, c'est euh, une soirée spéciale, de gagner véritablement des lots plutôt que juste le respect de l'invité et c'est l'eau, et eh bien j'en porte un moi-même c'est ce magnifique t-shirt brutal Alors, là... Alors bien sûr mon respect aussi il hein, y a pas de souci. Oui vous gagnez le... c'est c'est ça qui est bien vous avez aussi un million de bovis ça c'est cadeau. Donc voilà vous avez le t-shirt j'essaye de vous le montrer le t-shirt brutal qui est en lien avec l'épisode sur le brutalisme de voilà merci de du vortex et le mug voilà euh, aussi euh, brutal euh, que vous pouvez retrouver sur la boutique du Vortex ou euh, bien gagner ce soir et si vous êtes sur le Twitch d'Arte et bien pour vous alors un vous pouvez gagner déjà grâce en jouant au quiz mais aussi euh, et bien juste en donnant des points de chaîne vous allez euh, monter la cagnotte et si vous arrivez à avoir suffisamment de points de chaîne il y aura un tirage au sort et par dans, dans ce tirage au sort une personne gagnera le même lot un t-shirt et un mug je tiens à préciser que si vous mettez euh, pour vous contacter on va utiliser une une adresse mail que vous allez devoir rentrer dans un slide si vous mettez pas d'adresse mail ou une adresse mail qui ne fonctionne pas on pourra pas vous dire euh, pourra pas vous contacter si vous êtes le gagnant après euh, voilà donc s'il vous plaît mettez des adresses mail fonctionnelles sinon on ne pourra pas vous contacter voilà c'est tout pour la prévention et euh, on va tester, voir si vous êtes prêts et lancer peut-être une première question pour se chauffer, pour vérifier vos connaissances en euh, énergie quantique euh, libre euh, à perpétuel mouvement euh, mécanique, euh, peut-être. Exactement. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter avant de lancer euh, la présentation de Bidouille. Vous pouvez interagir. Regardez, vous pouvez mettre vos petits pseudos. C'est magique. Alors, on va aussi, euh, je vais aussi en profiter pour passer le bonjour à notre ami Leleu qui vous a préparé ces questions, qui nous donnera des précisions tout au long de cette soirée sur les questions qu'il va nous poser. On voit, vous vous connectez, vous êtes 51, vous pense, je pense que peut être plus... Attention, hein, le système des points. En attendant, <coughs> je tiens à vous le préciser, il y a deux choses. Un, il y a donner la bonne réponse, c'est important, mais il y a aussi répondre vite. Mais attention, répondre faux, c'est bien pire que de répondre lentement. Donc, répondez vite, mais répondez juste. Ça se joue aussi au timer. Ou alors répondez au pif, mais répondez juste. Quoi. Euh, oui. oui, tu peux répondre au pif, mais il faut répondre juste. Donc, on va vous laisser encore un petit peu de temps tant que les joueurs s'inscrivent. Euh... Ce sera difficile. Il y aura six questions tout au long de la soirée. C'est pas énorme, donc soyez attentifs. Et euh, normalement, on voit encore des joueurs arriver. On va patienter encore quelques secondes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien chez vous en ce mercredi soir. On vient de diffuser à 18h le dernier épisode de cette saison d'hiver du Vortex hein, qui s'appelle La Revanche des Nerds avec euh, MEA et Produits Internet et puis une interview dedans de Joueur du grenier qui revient sur les, les débuts d'Internet et comment les, les, les joueurs et en particulier les, les nerds un peu tout ça se sont emparés de, du média d'Internet pour faire de la télévision à la place de la télévision. J'ai hâte, euh, hâte de le voir. Euh. Il est très sympa, il sympa. J'aime bien le vortex. Je trouve que c'est une bonne émission oui. de vulgarisation. Euh, un peu généraliste. Euh euh, voilà, et puis euh, donc voilà. Donc on fait des bisous aussi à tous ceux qui ont participé à cette saison euh, dernière en attendant la prochaine. Et puis, mea très très fan. Ouais, je <coughs> je l'adore. Bah oui, tout le monde aime mea. Euh, effectivement. Est-ce que tout le monde est inscrit Ça monte encore un petit peu, mais je pense qu'on va devoir. J'ai suffisamment euh, rempli. Euh... Alors, je pense que là, ce sont des gens qui se déconnectent, se reconnectent en fait, parce qu'il y a une petite euh, latence. Enfin, euh, dès, qu dès que l'application la, 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 n'est pas, euh, pas active, là, les gens, ça se. Il faut, faut, faut actualiser. Donc là, je pense que c'est les gens qui actualisent leur page qui se désactivent. Je pense qu'on peut lancer. Okay. ok. Très bien. Eh bien, lançons le quiz. Première question. Plus vous répondez vite, plus ça marque de points. Vous le rappelle, quel projet de Nikola Tesla est souvent mentionné en lien avec l'idée de fournir de l'énergie libre à travers le monde Est-ce que c'est le télégraphe sans fil, la bobine de Tesla, la tour Wardenclyffe ou le réplicateur Vous avez 20 secondes pour répondre. Votez. Éliminez. D'après vous. Et n'oubliez pas de soumettre c'est un peu tricky sur le portable. On ne voit pas forcément le bouton sou soumettre. Si vous ne soumettez pas, ça ne prend pas en compte votre réponse. Oui, il faut quand même euh, effectivement envoyer votre réponse. 3, 2, 1. Le temps est écoulé. On va voir les résultats. Et vous avez dit la bobine Tesla 66% quasiment. Hein, et c'était une mauvaise réponse. La bonne réponse était donc la tour Wondercliff. Et on va déjà avoir un premier résultat. Est-ce que tu veux nous donner des détails euh... Oui, bah, c'était un peu le piège. La bobine de Tesla est une invention assez connue de, de, de Tesla, mais ce n'est pas forcément une invention euh, pour euh, propager l'énergie libre ou l'électricité dans, dans le monde entier. Il avait un projet qui s'appelait la tour de Cliff, qui est aussi connue sous le nom de tour de Tesla, qui est une tour qu'il avait bâtie, sur laquelle il avait fait des, des, des projets, des, 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 des tests dans ce sens-là. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Il n'a jamais pu aller au bout de ses études et, euh... et en fait, c'est à partir de ces travaux-là que Nikola Tesla est un peu considéré comme le père fondateur des énergies libres, des théories sur les énergies libres. Même si bon, il n'était pas forcément si. Euh... Je ne pense pas qu'il était conscient qu'il allait devenir le personnage aussi connu qu'il était, euh... qui, qui, qui pouvait être avec ces théories-là. Non, enfin, si tu me permets de rajouter. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, oui, mais bah, de toute façon, je crois que Tesla n'était jamais. Euh... Enfin, on va dire, il, il voulait en fait lui ce qu'il voulait, c'était que tout le monde ait accès à l'électricité. Euh, mais il ne me semble pas qu'il euh, pensait que cette tour allait produire autant d'énergie, euh, enfin une, une quantité illimitée d'énergie. En fait, lui, il, il voyait cette tour comme un moyen de transmission. Voilà. C'était en fait n'importe qui pouvait récupérer de l'énergie, etc. Et, euh, et alors, il euh, y a une théorie du complot qui dit que la tour a été détruite parce qu'il euh, il gênait les gens qui besoin euh, de l'électricité, etc. etc. Bon, Classique, c'est Edison. Oui, voilà. Il très probable. Il y avait la guerre après là-dessus. Ouais. Euh, et pour l'instant, c'est Nolent euh, qui, euh, qui est premier, mais tout ça peut encore changer. Vous avez encore les moyens de revenir hein, dans, ce, dans ce quiz, Dimitri. Ouais. Tu es prêt Ouais. Eh bien, je te laisse la parole et puis euh, voilà. Au besoin, on, on discute ouais. un petit peu. Ouais. Je vais attendre. Euh, il faut le, le retour. Faut du... Tu veux le, tu veux le retour de la présentation Ça va arriver. Le retour de la présentation. Bon, de euh, bah, toute façon, là, je vais attaquer euh, direct avec. Euh, tac, est bon. Il est là. Voilà, le résultat. Voilà, le mot en Monsieur Bidou, M. Bidouille. Voilà, c'est magnifique. Assez sobre en présentation. Alors là, je vous ai mis un petit scan d'un bouquin, histoire de, de commencer avec une petite anecdote euh, de mon cru. Euh, c'est un scan euh, de ce bouquin que j'ai dans les mains, que vous pouvez aussi trouver sur Internet Archive, qui s'appelle Perpetuum Mobile de Henri Dirks qui est un gars qui, euh, qui s'amusait en fait à regrouper tous les brevets qu'il a pu trouver en France, en Allemagne, euh, en Angleterre. Euh, fin, et le bouquin date de fin du 19e siècle. Euh, alors je voulais scanner puis je vous l'ai mis en négatif parce que euh, je respecte ceux qui sont en mode sombre. Et euh, alors il y a quelques images quand même en blanc derrière parce que j'ai eu la flemme, mais voilà. Euh, donc... Euh, ce bouquin, c'est ça qui est. Enfin, la petite anecdote, c'est comment je l'ai eu. Donc, peut-être que certains d'entre vous le savent, j'ai été Fab Manager avant. Je pense que là, dans la salle, il y en a qui savent ce que c'est qu'un Fab Lab, un atelier de fabrication numérique. Donc, pour ceux qui sont sur le chat. Euh, et qui ne savent pas. Donc, c'est euh, un Fab Lab, un, en général, c'est une association. Vous pouvez venir, c'est ouvert au public, vous inscrivez, et là, vous pouvez, par exemple, imprimer en 3D, utiliser une découpeuse laser, euh, apprendre à fabriquer des trucs. Et le Fab Manager, c'est la personne qui gère ça et qui explique aux gens comment utiliser les machines, etc. Et moi, à l'époque, je travaillais là-dedans en même temps que je faisais les vidéos. Et j'avais fait ma vidéo sur le mouvement perpétuel magnétique, pourquoi ça ne marche pas, etc. Et. Euh, il y a un samedi, il y a un gars qui débarque avec euh, une machine à mouvement perpétuel de son invention. Le gars, il avait fait 600 km pour venir. Il était venu dans la matinée, il avait appelé le, le soir de la veille. Euh, il a dit Oui, vous êtes où euh, J'arrive demain. Ok, d'accord. Et il a fait 600 bornes avec sa machine. Et, euh, et donc, il est arrivé avec une machine qui est une roue en perpétuel déséquilibre. Donc, on va voir après pourquoi ce n'était pas une très bonne idée, en fait. Et euh, c'est une très grosse machine que j'ai pas pu garder, malheureusement elle est encore au Fab Lab à Château Thierry, euh, donc peut-être qu'elle y est encore exposée, j'en sais rien. Euh, et bon forcément elle marchait pas. Alors bon, d'après lui, euh, c'est parce qu'elle n'était pas assez grosse, c'est une très bonne excuse. En général, si ça marche pas, c'est que c'est pas assez gros, il faut la faire encore en plus gros. Sauf qu'il avait mis déjà tout son argent dedans, et donc il me disait je vous la donne, et comme ça vous allez pouvoir continuer. Et moi j'ai dit ben, quand même, moi j'ai fait une vidéo pour dire que ça ne marche pas en fait. Donc euh, <laughs> je vais pas mettre du pognon dans un truc. Bon bref. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que vous avez quelqu'un qui croit à fond, euh, qui veut, qui vient comme ça hyper enthousiaste. Euh, voilà, quoi, c'est compliqué de, 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 de dire non, j'en veux pas, machin et tout. Bref, et euh, il a insisté, donc euh, j'ai fini par, euh, par garder la roue. Et il m'a donné aussi ses livres. Donc... Euh, il m'a donné celui-là et puis un autre bouquin d'un gars qui euh, a une machine à mouvement perpétuel, un peu bidon. Et ce bouquin, en fait, est passionnant parce que c'est un, bah, un travail d'historien, quoi, entre guillemets. C'est quelqu'un qui pense que le moment perpétuel est possible. <coughs> Pardon. Mais euh, il a vraiment fait un travail de documentation remarquable. Et ce qu'on s'aperçoit, là il y a quelques extraits de scan euh, de, du bouquin que je vous, je vous mets là. Euh, ce qu'on s'aperçoit, euh, c'est qu'il y avait déjà, fin du 19e siècle, des dizaines et des dizaines et des dizaines de brevets qui avaient été déposés, des centaines de machines de toutes les formes différentes. Alors, le seul truc qui change par rapport à aujourd'hui, donc tous les trucs mécaniques ont déjà été imaginés à cette époque, et aujourd'hui on ne fait que réinventer des variantes. Et à l'époque, il y avait encore très peu de trucs électromagnétiques, parce que l'électricité, c'était pas encore très développé. Euh, fin 19e siècle on utilisait hein, l'électricité mais euh, c'était quand même quelque chose assez difficile d'accès quoi il fallait du matériel qui était très difficile euh, aujourd'hui on peut avoir des aimants très facilement etc à l'époque c'était moins évident donc il y, y avait moins de ça mais par contre il y avait beaucoup de machines et des trucs ultra loufoques. Euh, etc donc voilà perpetuum mobile euh, vous cherchez ça sur internet archive il y a le pdf euh, si vous voulez feuilleter le truc euh, vous verrez un peu alors c'est en anglais mais c'est assez rigolo voilà, donc ça c'est la, la petite anecdote déjà pour. Vous euh, m'étiez rendu compte vraiment que euh, c'était vraiment un monde et, euh, et bien sûr avec l'arrivée d'Internet, bah, ça a complètement explosé. Alors, juste aussi au passage, il va y avoir pas mal, j'ai fait pas mal de gifs, euh, de boucles de gifs. Il bon, y en a certains qui vont être triggers sur les animations qui ne sont pas parfaites. Je suis désolé, j'ai fait ce que j'ai pu euh, pour, pour essayer de faire des boucles parfaites, mais bon. Euh, et donc, pas mal de ces euh, gifs sont extraits de la chaîne VEO Project. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà croisé sur YouTube. C'est une chaîne qui a fait pas mal de vues avec bah, des machines à mouvement perpétuel de, de différents types. Alors, ce qui est intéressant avec cette chaîne, c'est que dans, la dans les vidéos, il ne dit pas que c'est truqué. Dans la description des vidéos, il ne dit pas que c'est truqué. Mais dans la description de la chaîne YouTube, il dit que c'est motorisé. Voilà. Donc c'est un troll, mais pas trop. Mais vous allez voir que de toute façon, c'est du petit troll. Ça va. Moi, je, je l'aime bien, ce gars. On voit qu'il kiffe faire des maquettes. Il fait ses petites vues. Voilà. C'est sympathique. Bon, forcément, euh, on va déjà plier la question de la thermodynamique au début. Euh, ça va être on la a partie... Quiz. Ah oui, il y a le quiz, y a le je suis désolé de t'arrêter. Parce que le quiz ne s'arrête jamais, lui. <laughs> euh, et on a un truc, avant qu'il ne vous donne la réponse, on va tester vos connaissances en thermodynamique. Donc, je vous invite à vous reconnecter à Slide si vous l'avez quitté. Je vous déconseille de le quitter. Si vous pouvez rester dessus, c'est encore plus simple. Ouvrez deux pages. Je suis sûr que vous avez plusieurs écrans chez vous si vous êtes euh, installé euh, dans votre maison. Je fais coucou à Théo qui doit nous regarder depuis euh, son lit et qui devait être avec nous ce soir. Euh, voilà. Mais euh, je pense à toi. J'espère que tu joues. Euh, et, et on va pouvoir passer à la prochaine question. Question 2. En termes simples, que dit la première loi de la thermodynamique Allez, c'est parti euh, euh, Lors de toute transformation, il y a euh, conservation de l'énergie. Il est impossible de convertir une énergie en une autre. L'énergie totale de l'univers diminue avec le temps. L'énergie peut être générée par la simple force de la volonté. Oh bah je... T'as as un avis ah bah... La 4. Nous, nous ne sommes qu'énergie, de toute façon. C'est ça. ça si, si on fait tous monter notre taux vibratoire ici eh <laughs> <Et> ben, <laughs> ben on fera monter le taux vibratoire de la salle oui. alors très grande majorité hein, euh, un score de dictateur 80,6%. <laughs> Même pas, c'est pas encore assez euh, pour. Tu euh... avais pas, pas la rêve, je suis désolé. Euh, lors de toute euh, transformation, voilà. Donc effectivement, c'était la bonne réponse, vous avez été bon, mais il y avait le temps, je vous le rappelle. On va quand même regarder qui. Et c'est toujours ah non, c'est énergie libre assiste qui passe devant. Euh, en tout cas, il a choisi un pseudo adapté. Il a l'air, euh, il a l'air au courant de ce genre fond, de questions. Hein. De quoi non, non, je dis il est à fond. quoi. Ah oui, d'accord, d'accord. Euh, 1778 points pour l'instant, il est premier. Nous pouvons continuer, Dimitri. Tu vas donc nous donner euh, ouais. la réponse de la thermodynamique. Oui, voilà, bah, en fait, ce que dit la, donc la, la thermodynamique, euh, on va euh, revenir donc euh, euh, vite fait dessus, on va revenir sur les deux premiers principes de la thermodynamique. Ça suffit, il y en a plusieurs, il y a plus de principes, mais ça suffit largement pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, et euh, bon, c'est obligatoire qu'on passe par là. Donc, le premier principe de la thermodynamique, c'est lors de toute transformation, il y a la conservation de l'énergie. Alors, moi, j'aime bien le terme aussi l'énergie est indestructible. C'est un, un, un mot que j'avais trouvé, une phrase que j'avais trouvée dans un bouquin de, de cours en, en ingénierie euh, sur, bah, sur la, la thermique, la thermodynamique. Et. Euh, et en fait, bon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, par exemple, quand on dit « on consomme de l'énergie », on la consomme pas, en fait, on la convertit. Alors bon, mais on est sûr, ça, ça fait un peu chiant, le mec qui débarque. « Non, tu consommes pas de l'énergie, tu la convertis. »« Oui, ouais mais moi, <laughs> je consomme de l'électricité <laughs> dans ma maison. »« Oui, ben bah non, en fait, ça devient de la chaleur à la fin. Voilà. » euh, et, euh, et donc, voilà. Et euh, le principe... Du coup, j'ai perdu le fil. Désolé. <laughs> Voilà. Et donc aussi, ce que ça veut dire, c'est que la quantité d'énergie est fixe depuis le Big Bang. Voilà, la quantité d'énergie qui est dans l'univers est fixe depuis le Big Bang. Et euh, bah, quand on a compris le deuxième principe aussi, après, ça fait poser beaucoup de questions et ça fait très réfléchir sur le futur de l'univers. Voilà. Si, euh, si vous vous ennuyez, vous irez chercher mort thermique de l'univers après cette euh, ce live et euh, vous verrez euh, que vous pouvez pas aussi regarder ça. le live des trous noirs avec Science Click. Ah, il a, il en parle aussi peut-être. Il en parle un petit peu. Ah ouais, d'accord. Euh, donc on ne peut pas créer d'énergie, on ne peut pas la détruire non plus. Alors là j'ai ma petite roue. Alors il y a pas de billes encore dedans. On la voit un petit peu à la caméra là. Ouais, ouais ça va. Euh, voilà donc si je la fais tourner, bon bah j'ai donné un petit peu de, de force mécanique. J'ai réussi à la faire tourner, mais elle finit par s'arrêter. Regarde tu, on la voit là. Voilà, hop, elle est, elle est floue mais on la voit. Voilà. Elle est nette. Elle est nette. Voilà je la refais tourner mais nette. Voilà. J'aurais dû l'imprimer avec un truc qui ne soit pas brillant, parce que c'est... Voilà. Et donc euh, la roue finit par s'arrêter, pourquoi bah Parce qu'il y a les frottements de l'air autour de la roue, et surtout les frottements, des roulements qui sont, euh, qui sont derrière ici. Voilà. Alors oui, c'est bigou parce que j'ai imprimé avec des fins de, de bobines de fil. Voilà. Hum, et donc j'avais plein de couleurs à passer, j'en ai profité. Parce que bon, ça ne sert pas trop à grand chose malheureusement. Euh, bon, ça fait joli quoi, voilà. Et, euh, et donc, euh, l'énergie mécanique que j'ai mise a fini par se dissiper en chaleur euh, dans le roulement, etc. Et c'est pour ça que la roue s'arrête, c'est la conservation de l'énergie. Et alors, on pourrait se dire, oui, mais si on va dans l'espace, voilà, imaginons, je, je décroche la roue euh, du roulement à billes, là, euh, je la donne à Thomas Pesquet, euh, je, 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 je prends un très gros crédit. Je lui paye un aller-retour sur euh, l'ISS, euh, il met sa combinaison, il sort dans l'espace et il fait tourner la roue sur elle-même. Et ben là, la roue va se mettre à tourner et elle ne va jamais s'arrêter parce qu'on ben, est dans l'espace, on est dans le vide et donc il euh, n'y a rien qui l'empêche de s'arrêter. Alors en fait, en réalité, euh, ce n'est pas exactement ça puisque euh, je pense que vous le savez ici, l'ISS a quand même une orbite assez basse et donc il y a encore un petit peu d'atmosphère qui la ralentit. Et de temps en temps, il faut qu'on la pousse un petit peu, l'ISS, pour euh, remonter son orbite. Hein, sinon, euh, ça tourne mal. Euh, ben c'est pareil pour la roue qui finirait par être ralentie et finirait par aller brûler dans l'atmosphère. et Ce qui est marrant, c'est que même quand on essaye de faire des satellites qui restent le plus longtemps possible en orbite, peut-être que vous ne connaissez pas cette sphère-là, l'Aigeos 1 et 2. Donc il y en a deux qui ont été fabriqués, un par les Américains, un par les Italiens. Ils ont été lancés en 80 et 90, dans les années 80 et les années 90. Euh, c'est des satellites passifs, voilà, donc c'est une boule de laiton avec des réflecteurs, c'est des catadioptres, euh, qui sont donc sur une orbite à 5900 km, et on estime, donc c'est une orbite qui est très stable, les boules sont très lourdes, elles font 400 kg, et euh, l'orbite est extrêmement stable, ce qui fait que euh, on estime que euh, les sphères vont retomber sur Terre dans 8,4 millions d'années à cause des perturbations gravitationnelles, je suppose, et puis d'ailleurs d'autres trucs, genre les rayonnements, ce genre de choses. Euh, parce que en fait, finalement, l'espace n'est pas totalement vide. Il se passe des trucs. Il hein, y, y a des particules, il y a des rayonnements, il y a ce genre de choses. Voilà. Donc même quand on essaye, en fait, donc oui. Et pourquoi on a mis ces sphères Ce qui est quand même intéressant de le dire, c'est pour mesurer la dérive des continents. En fait, on a des lasers. On envoie des impulsions laser vers les satellites. Le satellite, avec tous ses réflecteurs, reflète les lasers. Et en mesurant la, la distance, enfin la, la durée de trajet du laser, on arrive à en déduire sa position exacte. Et vu qu'il est très stable, bah ça fait un référentiel pour mesurer euh, la dérive des continents sur Terre. Voilà, on a le, le même principe sur la Lune, il y a des catadiotres qui ont été posés, euh, et il y en a sur quelques satellites aussi, je crois, euh, GPS ou des trucs comme ça. Euh, voilà, voilà pour la petite anecdote pour briller en dîner mondain. Donc, on pourrait se dire, euh, ouais, alors ok. Donc de toute façon, voilà, euh, réussir à faire tourner un truc entre guillemets à notre échelle à l'infini, enfin pendant plusieurs millions d'années. On sait le faire. De toute façon, on est littéralement sur un truc qui tourne depuis des milliards d'années. Donc, bon, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Et puis, de toute façon, si on voudrait récupérer l'énergie de nos boules, là, bah, il faudrait en dépenser déjà beaucoup plus pour aller venir les chercher. Euh, et ça servirait strictement à rien. Euh, donc, ne proposez pas ça à l'ESA. Vous allez vous faire euh, sortir. Euh mais revenons un petit peu sur Terre, donc euh, on pourrait se dire ok euh, j'ai une roue là, je la fais tourner, euh, elle finit par s'arrêter. Imaginons que je mette cette roue dans une sorte de cloche, euh, je récupère la chaleur, donc la cloche est capable de récupérer toute la chaleur, et je, je convertis cette énergie thermique, puisqu'on a dit qu'on peut que convertir l'énergie, donc je convertis cette énergie thermique en énergie euh, euh, mécanique, et je la réinjecte dans la roue donc là en fait je fais un système qui récupère la chaleur et qui la réinjecte à l'intérieur, et puis du coup la roue tourne à l'infini incroyable. Eh bien non, c'est pas possible, deuxième principe de la thermodynamique, euh, donc qui introduit le principe d'irréversibilité ou d'entropie. Alors je ne vais pas rentrer sur l'entropie parce que il y a des définitions mathématiques, en physique, en physique quantique, etc. Basiquement, euh, on va dire, on va rester extrêmement simple, c'est que... Parmi le principe notamment d'entropie, il y a un gars qui s'appelle Carnot qui a calculé ce qu'on appelle le cycle de Carnot, qui est le rendement théorique d'une machine thermique, le rendement maximum théorique d'une machine thermique. C'est-à-dire que si on fait une machine parfaite, donc la machine qui est censée convertir la chaleur, si on fait une machine parfaite, absolument parfaite, c'est-à-dire sans frottement ni rien, avec une technologie magique ou je sais quoi, et ben son rendement sera quand même inférieur à 100%. On ne peut pas convertir la totalité de l'énergie thermique. En énergie euh, mécanique. Voilà. Et c'est ce qui explique en partie aussi pourquoi, par exemple, les centrales nucléaires ont un rendement de 30%. voilà Donc, quand vous avez 1000 MW qui sort d'un côté, bah, en fait, vous, vous, il faut savoir qu'il y a à peu près 3000 MW de puissance thermique dans la, la chaudière du réacteur. Euh, et ben c'est notamment parce que la centrale, c'est pas parce que la centrale est mauvaise, c'est parce qu'elle est limitée par le cycle de Carnot. Et d'ailleurs, je crois que si on compare par rapport au cycle de Carnot, alors je ne veux pas dire de bêtises en donnant des chiffres parce que je ne les ai pas en tête, mais on n'est pas trop loin. C'est-à-dire que en fait, les ingénieurs sont plutôt bons et ils ont réussi à, à gratter jusqu'au max de ce qu'ils pouvaient. Quoi. Voilà. Donc en fait, même si vous réussissez à créer une machine qui récupère l'énergie, bah, vous ne pouvez pas totalement la, 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 la réinjecter dans la roue. Donc grosso modo, les deux principes, si on simplifie beaucoup, c'est qu'on ne peut pas créer de l'énergie, premier principe, et deuxième principe, on ne peut pas recycler totalement cette énergie. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle en général les machines à un moment perpétuel, perpétuel du premier ordre et du deuxième ordre. Le premier ordre, donc c'est qui viole, enfin qui contredit la, la première loi de la thermodynamique, ou qui contredit, second ordre, qui contredit la, le deuxième principe de la thermodynamique. Si on peut en mêler les pinceaux, excusez-moi. Bon, allez, on va passer au fun, hein, parce que voilà, la thermodynamique, tout ça. Euh, parce que bon, théoriquement, on pourrait s'arrêter là. Merci, au revoir. Euh, voilà, fin, tout ça. Faire la blague de mettre le générique, enfin bref, ce genre de truc, quoi, classique. <laughs> euh, non mais c'est vrai, t'as plié le game. <laughs> ouais, voilà, c'est ça. Euh, mais bon, on va essayer quand même de prendre des exemples mécaniques et d'expliquer pourquoi ça marche pas, parce qu'on est là pour ça, pour se marrer un peu. Donc, quand on pense à un mouvement perpétuel, en règle générale, on pense à des roues euh, à billes, vous voyez Enfin, je sais pas, c est, c est en tout cas, moi, c'est l'image qui me vient en tête euh, régulièrement. Je pense qu'il y a pas mal de gens hein, qui nous regardent, euh, qui sont euh, peut-être aussi dans la salle, qui n'ont jamais entendu parler de mouvements perpétuels auparavant. Hein. Ce n'est pas euh, un phénomène si euh, vrai, international vrai. et connu. Euh, ouais. On en avait un petit peu discuté, on comparait ça un petit peu. Euh, C'est un peu ce, ce est les mouvements perpétuels sont à, à la physique, ce que les platistes sont à l'astrophysique. <laughs> Ça vous donne une illustration un petit peu de la chose. Ouais. Sauf que les platistes, ils ont réussi à avoir une aura médiatique, on va dire, un peu plus grande. Ouais. Peut-être parce que l'idée était, était peut-être un peu plus folle. Mais en tout cas, c'est un peu ça, quoi. Ouais, il y a un peu de cette idée, ouais, c'est vrai. Mais euh, après, euh, le, le, le... Non, oui, oui, c'est à peu près ça. <laughs> je sais pas. Je résume, je, je vulgarise. Ouais. <laughs> non, mais parce qu'en fait, c'est plus pour te demander un petit peu comment toi, t'as découvert ça. C'est à travers tes études, à travers le YouTube. Euh, comment, non, on mais tombe, en fait, comment on tombe sur ces machines-là, en fait si on s'y intéresse, il faut, faut, faut se dire, tiens, mais pourquoi je pas une machine et c'est là qu'on tombe dessus Dès que tu parles de technique, en fait, ou euh, même moi dans les Fab Labs, j'avais déjà des gens qui étaient venus pour essayer de fabriquer des machines à aimant, des trucs comme ça, un peu comme celle qu'on va voir après. Euh, donc j'étais déjà, déjà au courant par rapport à ça. Et puis après, dès que j'ai commencé à parler un peu de technique sur YouTube, j'ai reçu des mails. Euh, des mails, j'en reçois euh, à peu près un par mois. Et puis quand je sors une vidéo sur le mouvement perpétuel, j'en reçois une... une j'ai une, euh, une petite salve de, de mails qui arrive. Alors, c'est des gens euh, très, euh, on va dire, euh, sympathiques hein, qui m'envoient leur plans, euh, qui me demandent si ça marche ou pas et tout. Des Alors, conseils Très souvent, moi, je dis il bah, y a des chances que vous allez être déçus parce que voilà. Euh, des fois, je ne réponds pas quand c'est trop incompréhensible parce qu'il y a des fois où je passe une demi-heure à essayer de comprendre un plan qui. Juste après, bon, moi, enfin voilà, au bout d'un moment, je ne peux pas répondre à tout. Quoi. Euh, mais voilà, quand, euh, quand j'ai un peu le temps, bah, j'étudie un peu les trucs, j'essaye de voir un peu en quoi ça consiste et, et j'essaye d'apporter des réponses. Mais hein, je le précise avant qu'on m'envoie des mails. Ne euh... vous attendez pas à ce que je vous fasse un exposé, que je vous débug le truc ou je ne sais quoi. Euh, je vais vous juste vous donner mon avis. voilà C'est vraiment ça. Euh, parce que bon, je. je je, voilà j'ai des vidéos à faire et compagnie je vais pas non plus euh, commencer à dire bon bah alors j'ai corrigé ton plan, ton machin parce que de toute façon je pense que ça marche pas donc, euh, voilà et donc la roue à billes le principe de base c'est quoi bah, c'est censé être une roue en perpétuel déséquilibre euh, là les roues qu'on voit c'est euh, 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 les roues de Léonard de Vinci hein, parce qu'il s'est amusé à faire des schémas euh, voilà donc le gif en haut c'est euh, bah, un gif qui vient de, de Léonard de Vinci, c'est lui qui l'a fait hein, voilà voilà il a retrouvé une clé USB. Euh... Ouais, ouais. Même qu'à l'époque, on disait GIF. Voilà, c'est <laughs> lui qui l'a inventé. Hein. Ouais, ouais. Il a tout inventé, Léonard. Donc, euh... Et en bas, c'est euh, deux modélisations 3D qui ont été faites euh, sur, euh, sur une chaîne YouTube euh, de ces fameuses roues. Et donc, j'en ai fabriqué une ici. Alors, on va mettre les billes à l'intérieur. Oui, quand même. Oui, Vas-y, tu, tu veux que je te tienne le micro Oui, voilà, s'il te plaît. Comme ça, tu vas avoir tes deux mains. Parce que tu, tu me disais, ce n'est pas si facile à mettre, en fait. Ouais, c'est un peu relou. Euh, elle risque de, de se barrer un peu, les billes. Mais euh, j'ai pris des billes en plus, euh, au cas où. Voilà, <laughs> voilà. ça y est, il y a les billes nommer. qui se cassent. Voilà. Et donc, eh ben, ça marche. Oh mon dieu, c'est un déséquilibre. Ça, ça commence à fonctionner déjà. Tu as vu, tu pas mis la moitié des billes que ça marche déjà Voilà, donc celle-là, je l'ai modélisée moi-même. Hein. C'est des, des trucs que j'ai modélisés moi-même, mais on en trouve plein. Euh, si, vous, si vous avez une imprimante 3D. Euh, et que vous voulez faire un presse papier ben en fait, euh, <laughs> voilà. Oui, mais vous, tu peux parler d'énergie libre, vous ça ça sur Internet, quoi. Voilà. Alors, euh, où est-ce qu'il en manque Il en manque dans celle-là, je crois. Voilà. Hop. C'est bon C'est bon, il hein, y en a de partout. Euh, ça m'a l'air pas mal hein, de ce Alors, que je vois. Attention, attention. Alors peut-être dans l'autre sens. Ah, vous avez peut-être remarqué un truc par rapport à précédent. Ça tourne moins bien, effectivement. C'est-à-dire que c'est encore plus efficace quand il n'y a pas de billes. <laughs> voilà. Alors, euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que les, les billes s'opposent au mouvement de la roue, hein, et il euh, y a des frottements et tout, donc forcément, la roue tourne encore moins longtemps, ça dissipe encore plus d'énergie, en fait. Et alors, ce qui est assez intéressant, donc, du coup, c'est euh, pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qui se passe Eh ben, il y a un... En fait, on... On pense qu'il y a un déséquilibre permanent, mais en réalité, euh, voilà, s'il veut bien l'afficher, euh, la roue finit toujours par trouver, un petit peu comme la vie, euh, un chemin. Ben là, c'est euh, un équilibre. Euh, et là, c'est une photo que j'ai prise euh, pour vous montrer un peu comment on calcule ça. Donc, on trace une droite verticale par rapport à l'axe de rotation. Et euh, donc, j'ai pris les bras de levier qui correspondent aux billes qui sont à droite, donc en rouge, et les bras de levier... Qui correspondent, euh, qui, se, qui correspondent aux billes qui sont à gauche, qui sont plus nombreuses, euh, qui sont donc en bleu. Et au-dessus, vous avez deux traits, un trait rouge, un trait bleu, euh, qui sont... Euh, alors je vais essayer de le montrer pour ceux qui sont en live. Voilà, c'est les deux traits là-haut, de toute façon ça se voit, hein, euh, qui sont bah, la, la somme de tous ces bras de levier. Alors j'ai été honnête, parce que ceux qui regardent et qui analysent un peu les pixels, ils verront que les deux lignes ne sont pas exactement de la même longueur. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, la photo n'est pas prise parfaitement de face, euh, que j'ai fait ça un peu à l'arrache alors que j'avais la grippe, et, euh, et que euh, aussi. C'est tout récent alors Ou, oui, C'était ça... la grippe d'avant. <laughs> ça, c'était il, il y a deux jours ça, que j'ai <laughs> pris la photo. Euh, et, euh, et aussi parce que euh, il se peut aussi que la roue ne s'arrête pas en position parfaite d'équilibre. Pourquoi Parce qu'il y a les frottements du roulement, etc. Et donc, vu que voilà, rien n'est parfait, euh, ça peut s'arrêter aussi dans une position un petit, peu, euh, un petit peu en déséquilibre. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un, un truc. Et donc, l'erreur qu'on fait en règle générale sur ce genre de système, c'est qu'on va prendre un schéma où c'est en déséquilibre et on imagine que c'est comme ça pour tout le tour de la roue. Or,. Quand on fait, on analyse un système qui tourne dynamique, bah, il faut faire une analyse dynamique. En fait, il faut faire tout le tour de la roue, il faut faire un cycle complet euh, pour vérifier si, euh, bah, il y a, si on est vraiment en perpétuel déséquilibre ou pas. En fait. Voilà. Et ça, c'est en général l'erreur de raisonnement qu'on fait euh, quand on voit ce genre de truc. On se dit ça devrait marcher Alors j'ai fait une variante en forme de D. Alors on vous pourrez jouer avec euh, après si vous voulez, ou euh, je ne sais pas si on a le temps après pour les questions ou quoi. Euh, on pourra la, la on monter. On aura cinq minutes pour changer. Euh, voilà, cette, si Mais là, on va essayer d'avancer quand même. Alors, quelques autres exemples de variantes en déséquilibre permanent. Parce que ça, ça a sais... l'air de vachement bien marcher. Ouais, ouais, c'est une sorte de poids. Alors, ça vient toujours de la chaîne euh, VO Project. Hein. Il y a du plus chelou après. Euh, J'en montre plusieurs parce qu'à chaque fois que je montre des trucs à aimant, et machin, je reçois des mails en mode oui, mais tu aurais dû mettre ça comme ça, machin. Non, mais en fait, non, c'est juste le principe de base qui est foireux. Euh, donc là, on en a une autre. Alors là, il y a carrément un aimant qui fait basculer les manivelles. En fait, vous avez des sortes de manivelles sur une grande roue. C'est joli, par, par contre. Hein. Oui, c'est joli. Ouais. Ça, ça peut faire, je ne sais pas, euh, une sculpture, une... je sais pas, un truc comme ça. Tu sais, tu mets une petite fontaine, un petit diorama en dessous, mm -hmm. avec des petits Pokémon, je ne sais pas. <laughs> Et, euh... Et donc, voilà, il y a un espèce d'aimant qui est censé relever le levier. Alors bon, euh, forcément, si vous avez un aimant qui attire le métal, bah après l'aimant, il ne va pas le lâcher, le truc en fait. Donc il va falloir faire un effort pour pouvoir le décoller. Euh, ah pardon, j'ai cliqué sur la mauvaise flèche. Alors là, c'est des sortes de bras qui s'articulent. Alors la personne qui était venue au Fab Lab euh, qui m'avait donné les livres et la machine, c'était un peu le même principe. C'était des bras qui s'articulaient, mais c'était en trois dimensions. C'était deux bras qui se dépliaient comme ça, sur le côté. C'était un peu bizarre. Enfin, je, je refais. Voilà, c'était bras qui se dépliaient comme ça, mais sur le, ouais, bref, Psst. bref, voilà. C'était <laughs> un peu, un peu chelou, euh, mais c'était un peu dans le même principe. On va retourner là-dessus, voilà. Euh, alors là, ça, je ne comprends pas comment ça peut tourner, c'est les deux roues tournent dans le sens inverse. mais Bon, je sais pas, je... c'est un mystère. Alors ça, c'est euh, le même principe, mais avec des sortes de, de petits bras de levier. Euh, voilà donc là en fait l'énergie on la perd au niveau des taquets en haut là qui est le petit taquet qui relève les bras de levier hein, qui est là discrètement l'air de rien mais en fait euh, voilà euh, et ensuite on a bon, on peut faire des variantes en faisant passer les billes à l'intérieur en fait on vous pouvez retourner la question dans tous les sens hein, vous diriez pas ouais c'est original moi on voit que le gars s'éclate en fait à faire ces trucs on sent, on sent le mec qui, qui, euh, qui, qui devait avoir, tu un petit réseau de ferrés de trains miniatures. <laughs> et, euh, et le gars s'est dit « Mais attends, j'ai du talent et tout, tout le monde s'en fout de mes trains, je vais faire ça. » Et en plus, ça va faire des vues. Ça marche très très fort sur TikTok. Hein. Ouais, apparemment, ouais. Euh, ça, sur TikTok, c'est gratuit. Alors après, sinon, euh, on a des versions liquides. Alors les versions liquides, bah, on va mettre un tube avec un liquide à l'intérieur. Alors... Euh, il est conseillé de mettre du mercure hein, parce que bon quitte à utiliser des... autant y aller à fond. <laughs> euh, donc ça, alors ça, des trucs comme ça, vous en avez des tonnes. En général, c'est des roues de vélo avec des bouteilles de cocasse scotchées, ce genre de trucs. Il euh, y en a des tonnes. Euh, et alors celle-là, moi, elle me fait marrer. Parce que là, c'est euh, l'enfer des pertes, quoi il euh, y a des frottements dans tous les sens. Euh, c'est enfin euh, bref, euh, bref, moi je, je vraiment là, là là faut y aller quoi. Celle-là elle consomme plus que les autres, je pense. Hein. Euh, et en plus il y a l'eau qui tombe à côté du bac et tout. <laughs> et là c'est un circuit ouvert, ouais, Effectivement. Euh, alors après sinon il y a la version de Aldo Costa. Est-ce que vous connaissez cette roue? Peut-être les plus vieux d'entre vous en on ont peut-être entendu parler. Là, ça déconne pas. Hein. Donc Aldo Costa, euh, est, euh, il, est dans, enfin, il vivait dans la, la région parisienne. Alors je dis, il vivait parce qu'il avait 80 ans en 2008. Alors je n'ai pas appris s'il était décédé ou pas. Mais bon, il... Là, ça fait, il a l'âge de Patrice Laffont, donc ça, ouais, fait, euh, ça, ça doit... oh, fait beaucoup. Ça fait bon. beaucoup. Euh, en tout cas, euh, son blog n'existe plus, mais je suis allé le chercher sur Internet Archive parce que je suis méchant. Euh, et euh, c'est un gars donc qui a fabriqué une roue euh, qui fait à peu près 20 mètres de diamètre. Hein. Ah oui. Ouais, voilà. Euh, en fait, là, l'espèce le, de, de colonne tourne, noire au milieu, en fait, il y a une nacelle euh, pour pouvoir y monter dedans. Voilà, donc d'autres images de la wow. de la roue. Alors, ah, alors. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait tourner après parce que je suis allé chercher l'explication sur son blog. Voilà, donc c'est une roue qui fait 20 mètres de diamètre qu'il a fabriqué dans son jardin. Alors pour la petite anecdote, je suis allé voir sur le blog, il y avait son adresse, donc je suis allé voir sur Google Maps s'il n'y avait pas une vue satellite ou si on pouvait pas la voir par Street View. A euh, mon avis, les héritiers ont dû se dire ça dans le jardin pour vendre la maison. C'est pas ouf. Vaudrait peut-être mettre une piscine. C'est pas ouf. Voilà. Euh, donc je pense qu'elle a été démontée. Mais après, je suis quand même, j'ai poussé le truc à aller voir les vieilles photos satellites de l'époque. Ah oui, es revenu dans le passé. Et je n'ai pas vu la roue. Donc je ne sais pas si est elle était es sûr elle sur elle notre terrain. Elle a vraiment existé. Elle a elle est vraiment existé parce que je suis tombé sur un blog de 2008 où un gars avait, est allé visiter la roue de Costa. Et dans les commentaires, il y a un gars qui disait Vous avez de la chance de l'avoir tournée. Moi, je suis un voisin, je passe devant tous les jours, elle ne tourne pas. <laughs> C'est un budget. Hein, euh... Voilà. Alors que normalement, elle est censée produire 10 kilowatts hein, d'énergie nette. Hein. Voilà. Ah oui, donc il pouvait alimenter largement sa maison euh, au quotidien. Voilà. Donc le mec, il a de quoi alimenter 10 kilowatts, il ne fait pas tourner. C'est bizarre quand même. Voilà. Donc en fait, sur son blog... Je, je sais pas, de l'inverse, elle consommait 10 kilowatts euh, Ouais, peut-être, oui. <laughs> euh, alors sur son blog, il explique « La relativité du centre de gravité de la roue la met en perpétuelle recherche d'un équilibre qu'elle ne peut plus retrouver. » La conservation des mouvements des tenseurs espace-temps par l'intermédiaire des tenseurs impulsion gravitation permet les déplacements des masses provoquant ainsi, sous forme de moment cinétique, la constante conservation de l'énergie. Voilà. Donc si vous avez une explication, n'hésitez pas à la mettre dans le chat, on pourra en discuter après. Euh, moi j'ai rien compris, en tout cas. Voilà. Point d'exclamation, question pour poser <laughs> des questions à la fin du live. Exactement. Après la présentation. En tout cas, il y avait tout un système de ressorts. Alors, les gens trouvaient ça extraordinaire qu'elle se mette toute seule en route. Euh, moi, je me dis bon, vu la taille et l'inertie du bousin, s'il y a des ressorts, à mon avis, et vu la, la lenteur du mouvement de la roue, si elle est bien équilibrée, il y a moyen de l'animer avec très peu d'énergie, euh, voire même avec le vent, hein, euh, et, euh, et donc euh, de la faire tourner plusieurs heures sous les yeux ébahis euh, des gens qui viennent la voir. En tout cas, bon. Y a quand même, moi, j'ai quand même un certain respect parce que en termes de bricolage, c'est quand même, du, non, presque quand du, quand même quoi, du très haut level. Euh, et donc, euh, faire des trucs aussi immenses dans son jardin, Attends, moi mais je valide. tu as le droit de faire ça Oui, alors déjà, ouais, le, le, <laughs> le, le... je me pose la question. Bah, mais... Moi, non, en tout cas, j'ai pas de moi... permis de construire, c'est une machine à énergétique. Moi, euh... j'ai acheté à Nîmes, j'ai lu le PLU, il n'y a pas marqué. Vous n'avez pas, pas le droit de mettre à... une euh... route 20 mètres de diamètre dans votre jardin. C'est <laughs> vrai. Bon. La hauteur de ta clôture est réglementée, euh, <laughs> le nombre d'arbres que tu peux, la couleur, voilà. volets, la couleur de tes volets, non, mais une route de 20 mètres, ça passe. Ça passe, voilà. Bon, on va essayer d'avancer, sinon on va. On désolé, va désolé. Euh, donc j'ai sauté une diapo parce que je devais amener une machine, mais j'ai, j'ai, pas pu l'amener. Euh, donc là, on va essayer de vous montrer un peu d'autres systèmes mécaniques sur numéraire avant de passer à, à d'autres, d'autres principes. Donc là, par exemple, on peut... Donc, ils ne sont pas des roues, voilà. Euh, donc là, ça, c'est milkovic Alors, bon, je, je, je le prononce sûrement très, très mal. Euh, alors, ce système, euh, c'est un peu bizarre. Vous voyez le balancier au fond. En fait, l'énergie que vous mettez au balancier est censée être multipliée par le système de... de enfin, de, de, de système oscillant, là. Et donc... Vous voyez qu'avec l'énergie d'une seule lampe, vous arrivez à alimenter deux grosses lampes. Vous voyez je suis, désolé. je suis désolé, mais c'est incroyable. Voilà. Non, mais ce gars est passé à la télé et tout, et, euh, et, euh, et, et il a fait de je ne sais pas combien d'inventions comme ça. Et en fait, il explique qu'avec une toute petite impulsion sur le balancier rouge derrière, et ben en fait, on a beaucoup plus d'énergie après derrière. En fait, le gars, il, il expérimente juste le principe d'énergie cinétique. Hein, voilà. euh, parce que forcément, pour mettre en, en branle le truc, c'est assez lourd. On va le revoir en vidéo un peu plus tard. Euh, Celle-là, euh, qui est très connue, euh, Raydar Finsrud. Oui, bah, <laughs> bah, je te fais confiance. Hein, euh, hein, c'est euh... un Norvégien, il me semble. Euh, donc, j'ai mis, c'est un artiste, donc ça va, il a une excuse. Euh, alors, celle-là, elle est assez connue. C'est censé être un mouvement perpétuel. La bille tourne en, en, en permanence. Il euh, y a des contrepoids qui oscillent en dessous, un petit peu comme les, les vieilles horloges. Et en fait, lui, il a toute un, une mise en scène quand il fait visiter sa machine, parce que sa machine est dans un, une pièce fortifiée. Il a littéralement une porte de coffre-fort dans sa maison, en fait, énorme, qu'il ouvre comme ça, et il y a la machine derrière. Sauf que, quand on voit dans la vidéo, il ouvre la porte et la machine est à l'arrêt bon moi je trouve ça c'est si un mouvement perpétuel c'est quand même dommage de l'arrêter il, il aurait dû la mettre en route avant d'ouvrir la porte mais bon bref et, euh, et donc euh, voilà il dit qu'il garde le secret bien sûr etc et il, il assume que c'est une machine qui marche pas si c'est un artiste <coughs> ou, ou c'est un artiste qui dit qu'il a inventé le mouvement ah non, perpétuel. moi je pense que vraiment il est fou le premier degré alors ah, j'ai okay. pas, pas fouillé à fond donc c'est pour ça que j'ai dit c'est un artiste donc ça va c'est à dire que ça se trouve un jour il a venu et il a dit c'est une expérience sociale tu vois, genre, Oui, d'accord voilà alors après, on peut ça, épitaphe. après si vous voulez, on peut passer sur du beaucoup plus gros. Ah ouais. <laughs> mais ça c'est. Donc là on passe sur euh, Rare Energia, qui sont donc trois associés brésiliens qui se sont, euh, euh, qui se sont mis, euh, bah, voilà, qui ont mis du pognon sur la table pour construire une machine et euh, on allait voir ce qu'on allait voir. Il paraît que plus c'est gros, plus ça passe. Ah non, l'important, c'est que ce soit plus gros, c'est ça. C'est ça, c'est que si ça marche pas, c'est que c'est pas assez gros. Donc eux, ils se sont dit OK, et ils ont loué un entrepôt et ils ont commencé à fabriquer. Donc ça, c'est la version finale en 3D. Mais qu'est-ce que c'est J'avais aucune idée, parce que j'ai pas vu d'animation. Je l'ai jamais vu tourner. J'ai pas trouvé. Elle a été finie Je crois. Mais c'est assez compliqué. Je vais expliquer un peu le. Excusez-moi. Euh, voilà, donc ça c'est la dernière image qu'on a, euh, une des dernières images qu'on a sur leur blog que j'ai trouvée sur Internet Archive. C'est-à-dire que si vous allez sur rareenergia.com aujourd'hui, vous tombez sur un site qui vend des panneaux solaires. Et euh, je crois même que ce n'est pas la même entreprise. Je tiens à le préciser au cas où, même si bon c'est... Je pense qu'ils ne regardent pas ce live, mais voilà. Euh, Bonjour à tous les Brésiliens. Sinon. Voilà. Donc, Rare Energia qui a été présenté comme un moteur mécanique mu exclusivement par l'énergie contenue dans la gravité. Je cite, disponible à tout moment, en tout lieu et en toute quantité, zéro pollution, couple permanent et éternel, entre parenthèses, tant que dure l'équipement. Moi, ça me fait toujours marrer quand on précise ça. <laughs> euh, L'entreprise a été fondée donc en 2006. Les images viennent d'Internet Archive, comme je le disais. Euh, parce que le site a fermé en 2018, et, euh, et en fait, moi, je ne sais pas parler le, le portugais, donc du coup, euh, j'aurais bien fouillé un peu dans des archives de presse ou quoi, pour voir s'il n'y a pas des nouvelles un peu de comment ça a tourné, mais à mon avis, ça a dû se terminer avec un procès ou un truc comme ça, cette histoire, parce qu'il y en a un qui a dû embrouiller deux autres, et... Et, euh, et c'est un peu le problème dans ces trucs, c'est que il y a pas mal de fabrication. Si on revient par exemple sur notre euh, voilà, euh, lui il est inoffensif en fait. Voilà, il fait son truc, c'est rigolo, c'est joli, tout ça. Euh, là il y, y a eu des moyens quand même dans l'énergie. Voilà. Il a dû convaincre Mais des investisseurs. Voilà, hein. là il là, y a eu de l'investissement, il y a eu de, de l'argent en jeu, et donc derrière bah forcément des, des fois ça peut faire des dégâts quoi. Voilà, c'est un peu le problème. Euh, dès qu'on commence à sortir des 2013, projets individuels. C'est pas si vieux, c'était il y a 10 ans, quoi. <laughs> ouais, ouais, c'est ça. Tu, tu crées ta chaîne YouTube, c'est ça, y avait ça. En train de lancer les mecs étaient ça, ouais. en train de fabriquer ça. Ouais. Voilà. Donc là, on est sur de la, la, la système mé euh, mécanique. Maintenant, on peut passer à la flottabilité. Ah oui, il y a plein de, mais plein de systèmes. Et oui, il y, y a plein de systèmes. Alors, la flottabilité, euh, c'est très compliqué de trouver des exemples. Euh, euh, dans fabriquer etc c'est problème de joints etc on aurait foutu de l'eau de partout là. Voilà, ça aurait été compliqué euh, donc pour vous expliquer un peu le principe j'ai fait un schéma vite fait imaginez que les points gros points blancs là c'est des sphères mettons des sphères de je sais pas de 1 mètre de diamètre en métal creuse juste des, voilà, des sphères creuses qui sont capables de flotter dans l'eau voilà ces sphères ont un certain poids donc à gauche donc vous avez deux roues alors que j'aurais dû mettre en, en blanc parce que sur fond noir elles sont sur fond noir on les voit pas mais alors pour les, les gens voilà du live, là où il y a mon curseur, il y a une roue ici et vous avez une roue un peu plus bas là. Voilà. Et donc en fait, le principe, c'est quoi bah C'est que les sphères en dehors de l'eau descendent par la gravité, donc génèrent de l'énergie. Ensuite, on insère la sphère dans la colonne d'eau en bas et vu que la sphère flotte, bah elle remonte toute seule et pouf, après, on la fait redescendre et hop, énergie bien, infinie. Voilà. C'est bien ça Donnez-moi des sous. Donc à votre avis, pourquoi ça ne marche pas euh... Imaginons que le système soit parfait, éliminons les frottements, etc. Pourquoi ça marche pas enfin, parfait au sens voilà, le, les, on n'a pas de problème de frottement, on arrive à les compenser avec des très grosses sphères, etc. Exactement. La résistance voilà. de l'eau à la transition. Quand en fait vous Je insérez répète, la sphère à, à la base. Quand vous insérez la sphère en fait à la base de la colonne d'eau, vous allez avoir une résistance de l'eau puisque vous avez la pression de l'eau en fait qui correspond à la hauteur d'eau. Et c'est là où vous allez perdre votre énergie, en fait. Et vous pourrez. Mais si faire... on se fait dans l'espace. <laughs> euh, ça va être compliqué. Mais, euh, mais en fait, vous pourrez d'ailleurs euh, retourner la question dans tous les sens pour dire oui, mais si on fait des sphères coniques pour que ça rentre plus progressivement, non, ça ne change rien, en fait. Ce n'est pas la question. Puis les sphères euh... coniques, des sphères coniques, ça ne <laughs> doit plus s'appeler des sphères. Oui, en plus de ça. Euh, et puis, euh, on ne va pas commencer à aller là-dessus parce que voilà. Euh... Alors après, on pourrait se dire oui, mais imaginons que. À la base, on, on, on met un espèce de, je sais pas, de, de de robinet qui ferme l'eau, enfin de, de plaque qui vient fermer euh, la colonne d'eau, on vide le dessous de la colonne d'eau, on met la sphère, on remplit d'eau et puis la sphère elle remonte. Ben bah oui, mais en fait là, l'énergie elle vient de la flotte qu'on a perdue parce qu'il va falloir, bien falloir remettre de l'eau en haut, donc il va falloir la pomper et la renvoyer et donc c'est là où on perd l'énergie. Donc euh, on peut, euh, voilà. Alors ça, pour l'anecdote, j'avais reçu un mail de quelqu'un qui. Euh, était persuadé que ça pouvait marcher, etc. Qui a essayé de me convaincre avec ça. Et au début, je disais, ah, c'est vrai, vraiment, c'est vraiment pas bête et tout. Je me disais, où il est le truc, quoi. Et euh, bon, en fouillant sur Internet, il y, y a pas mal de blogs de gens qui expliquent avec tous les calculs de force et tout machin. Alors il y, y a quelques variantes de ça. Là, donc, c'est issu du bouquin de, de Dirks. Euh, c'est un système. Alors à l'ancienne, à l'époque, on n'utilisait pas une, un compresseur, on utilisait des soufflets, hein, voilà. Euh, mais en gros, l'idée, c'est quoi C'est une roue avec des ballons de baudruche qui va euh, gonfler des ballons d'un côté et euh, bah, enlever l'air des ballons d'un autre, et en créant une sorte de déséquilibre. Et là, en fait, bah, on a toujours le même problème, c'est que bah, pour gonfler un ballon sous l'eau, il faut vaincre la pression, et donc il va falloir de l'énergie. Ah oui, bien sûr. Il va y... oui. Alors, je vais, je vais, juste, vous... ah, pardon, je vais -y, répéter, -y. bien sûr, euh, la, la question. Donc, euh, on nous dit aussi dans le, dans le public ici qu'il y aurait des pertes de traînée vu qu'il y a un déplacement dans un fluide. Euh... Oui, voilà. exactement. Oui. Bien, si vous n'avez pas, pas de micro, je de, suis obligé de répéter. Oui, donc euh, oui, oui, forcément, euh, la, le déplacement de quelque chose dans, dans un fluide euh, n'est pas parfait. Et donc, euh, il va y avoir des perturbations, notamment euh, euh, de, tout le long, euh, par exemple, de la sphère, sur la, la surface de la sphère, etc. Et Mais même qui, sans ces frottements, ça ne marcherait pas de toute façon. Voilà, de toute façon, même ça ne marcherait pas. Donc après, euh, on a une autre version de chez VO Project. Voilà, donc bon, bref, là, bah, là c'est pareil. En fait, euh, faire re-rentrer les, euh, les petits éléments flottants dans l'eau, bah, ça demande aussi un effort. Donc il euh, n'y a, y a aucune raison pour que la, le système tourne. Et maintenant, on va passer euh, au sujet. Euh, on va dire euh, le magnétisme, hein, c'est le, le sujet star du mouvement perpétuel en ce moment sur Internet. Euh... Ce, ce GIF résume bien le... les aimants, les aimants, les aimants. Euh, donc ça, c'est un des mouvements. Alors je disais qu'il n'y avait pas trop de mouvements perpétuels à base d'aimants dans, dans le bouquin, euh, mais ce euh, montage-là, pourquoi je l'ai choisi C'est parce que c'est vraiment un des plus vieux montages de mouvements perpétuels qu'on trouve. Euh, qui est documenté. Donc, on imagine un aimant au sommet d'une colonne. Hein, c'est le bloc rouge. Et puis, on a une bille en acier qui est attirée. Et puis, au bout d'un moment, bah, elle tombe dans un trou. Elle, est, elle descend le long d'une rampe. Et puis, hop, elle remonte. Voilà. Bon. Alors là, le, le problème euh, déjà, c'est qu'il faudra un aimant beaucoup, beaucoup plus gros pour attirer une sphère, une bille, euh, à cette distance. Hein, parce que, enfin euh, voilà. Fin, même avec un très, très gros aimant, euh, c'est très compliqué. Et puis aussi, ce qui se passerait, c'est que la bille euh, irait, euh, accélérerait et viendrait euh, se coller à l'aimant euh, et ne descendrait jamais par le trou. Voilà. Et donc on, elle, elle ne prendrait jamais la, la petite rampe euh, qu'il y a euh, en dessous. Alors, bien sûr, en règle générale, euh, quand on parle énergie magnétique, on parle répulsion. Et donc là, il y a une petite machine. Hop! Alors, je ne sais pas si on va Tiens, bien la voir. Tu avoir. vas pouvoir pousser, je pense, la noire. Ouais, je vais l'enlever. Ça, c'en est une autre aussi magnétique. Vous la verrez tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais celle-ci est, 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 est bien. Celle-là, elle a l'air bien, bien réglée. Hein. <coughs> ouais, ouais, bien réglée vite fait. Alors, je ne sais pas si on peut la voir ou pas. Ah bah voilà, nickel! Euh, donc celle là, il euh, y en a certains peut-être qui la reconnaissent. Euh, elle était dans une de mes vidéos sur le mouvement perpétuel magnétique. Je l'avais fabriquée, euh, donc je l'ai ramenée. Elle a un peu vieilli. Elle, ça, la vidéo date Daddy, y a plusieurs années, donc il euh, y a un peu des points de colle qui ont pris un peu de la l'agite et tout. Mais sinon, bah, le principe c'est quoi C'est on a plein d'aimants euh, tout le tour. Euh, ici, on a des aimants au bout des petits bras là, et donc ces aimants, ces aimants fixes sont censés repousser les aimants mobiles. Et donc, théoriquement, bah, la roue est censée tourner puisque les aimants se repoussent entre eux. Voilà. Euh, donc, bah, on va vérifier si on peut faire tourner. Bah, ça marchait Ça oscille un peu, hein, on voit, parce que le... ça, ça cherche un peu son point d'équilibre. Mais c'est euh, <laughs> parce que tu l'as pas bien réglé. Ça ne tourne pas. Alors oui, on l'a peut-être pas bien réglé. En fait, la roue, là, je l'avais prévu pour pouvoir régler. On peut faire tourner les aimants sur eux-mêmes, etc. On peut orienter les aimants fixes un peu comme on veut, etc. Et vous pouvez retourner la question dans tous les sens. Vous n'arriverez jamais à faire tourner indéfiniment cette roue. Alors, il y a une deuxième variante. Je vais la montrer de suite. Attends, je vais te prendre le micro si tu veux. Voilà. Donc celle-là, c'est exactement le même principe. Vous avez des aimants qui sont organisés ici tout le tour. Là, il y a des aimants qui sont euh, de sens, qui s'opposent en fait aux aimants qui sont euh, en termes de direction. C'est-à-dire que là, quand je referme, théoriquement, non, je regarde. Hop là. là, quand je referme, théoriquement, les aimants ici sont censés se repousser les uns à la suite des autres. Et vu qu'il euh, y a un nombre Enfin, comment dire j'ai calculé le nombre des de manière à ce que ça soit en perpétuel déséquilibre normalement il devrait tout le temps se repousser et on va voir si ça marche alors théoriquement il faut refermer les deux et on va voir le résultat attention voilà c'est génial et en fait si on voit si on avance par à coup on voit qu'en fait c'est bien stable quoi c'est-à-dire que c'est vraiment, on sent vraiment l'écran. On dirait vraiment une, molette, une grosse molette de souris, si vous voulez. Voilà. Voilà. Euh, donc ce système-là, d'ailleurs, euh, ce, ce principe-là, c'est le un des principes sur, c'est le principe sur lequel se base le fameux moteur Minato, euh, qui est une des stars de l'énergie libre, euh, qui euh, qui est un japonais qui, soi-disant, avait fabriqué un moteur perpétuel, etc. Euh, et qui euh, euh, explique, enfin, euh, où tout le monde explique qu'il avait vendu à des industriels des moteurs, qu'au Japon, il euh, y avait des chaînes de supermarchés qui s'alimentaient avec ça, etc. Même si on n'a jamais vu les preuves. Mais bon, le Japon, c'est loin, donc l'information met du temps à venir. Je pense qu'au bout de quelques dizaines d'années, on saura. Euh, et puis aussi, euh, je crois que maintenant, il est plus ou moins en exil dans des îles... Euh, sûrement poursuivi par le fisc ou je ne sais quoi, mais bon, euh, c'est sûrement parce qu'il est persécuté pour son invention. Euh, voilà, donc ça c'est pour le mouvement euh, magnétique perpétuel, je suis en train de me perdre dans le truc. Et donc, en règle générale, pourquoi on fait euh, des erreurs, enfin, pourquoi on fait une erreur de, de, de jugement euh, par rapport à ça Enfin, comment dire, je reprends. Pourquoi en fait on pense que ça peut marcher C'est parce qu'on fait... Très souvent, enfin, très souvent, on rencontre toujours le même type d'erreur. Et là, je vais vous passer un petit extrait. Donc, Jean-Claude Cordier 2, c'est le, le nom du fichier, en fait. Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas de majuscule. C'est le nom officiel. C'est une citation. <laughs> voilà. <coughs> si tu veux le passer. Quel est le principe de ce moteur Le principe est assez simple, c'est-à-dire, pour faire fonctionner un moteur, quel qu'il soit, il faut de l'énergie. Donc moi, mon énergie qui a toujours été celle-ci, c'est l'énergie magnétique. Parce qu'avec l'énergie magnétique, en utilisant des aimants de nouvelle conception, des aimants qui sont au néodymium, le magnétique, ça vous sert à vous donner l'énergie. Cette énergie magnétique vous permet d'obtenir une force avec des aimants d'une puissance qui devient considérable. C'est en fonction de la taille des aimants. Hein, si vous avez des aimants, par exemple, de 10 cm de diamètre dans les mains, euh, vous ne pourrez pas les tenir. C'est impossible. Donc, en se servant de cette force, j'ai réussi à générer et à créer un mouvement qui est entretenu par l'énergie magnétique qui, elle, ne s'épuise pas. Hein. Comme j'avais expliqué déjà à certains scientifiques qui critiquaient, euh, mais qui n'avaient aucune connaissance dans ce domaine, que l'énergie magnétique pouvait se conserver à peu près pendant presque un siècle. Hein. Et je disais en exemple vous prenez un vélo de la guerre 14 qui ne sert plus, vous montez dessus, vous pédalez, vous mettez la dynamo, vous avez toujours de la lumière. Donc l'aimant est toujours actif. Voilà. Euh, donc cet extrait, il est assez intéressant parce qu'il euh, voit en fait, c'est vraiment, il y a, il y a vraiment l'erreur de base qui, qui est là-dedans. Bon, en plus des affirmations péremptoires. Euh, oui, les bénéfices. scientifiques Voilà. Euh, donc c'est un extrait euh, radio euh, qui est assez marrant, euh, où il explique que son projet a été classé euh, top secret défense par euh, le gouvernement français. Top secret défense. Ouais, alors que bon, top secret, ça n'existe pas en France, hein, mais euh, voilà. Euh... Bref, et, euh, et donc l'erreur qu'il fait, bah, c'est que on pense qu'un aimant est une source d'énergie en lui-même, en fait. Que ça, ça enferme une source d'énergie. Sauf qu'un aimant, en fait, ne consomme pas d'énergie pour être aimanté au frigo. Il ne dépense pas d'énergie pour créer son champ magnétique. En fait, le champ magnétique de l'aimant, c'est une de ses propriétés, exactement comme son volume, sa masse, etc. Euh, et c'est ça en fait l'erreur en général qui est faite, c'est de se dire oui les aimants c'est extraordinaire il y a de l'énergie enfin voilà on peut on peut en tirer autant d'énergie qu'on veut alors qu'en fait non un aimant génère un champ magnétique fixe euh, voilà qui ne varie pas dans le temps ou alors très très peu parce que progressivement l'organisation le, 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 interne de l'aimant se, dés, se désorganise on peut dire petit à petit euh, au fil du temps mais bon ça c'est c'est progressif mais sinon euh, voilà il n'y a pas de il a pas d'énergie à l'intérieur et on peut vérifier ça. Alors moi, une petite expérience que je me suis amusé à faire dans, dans, dans mon ancienne vidéo sur le mouvement perpétuel magnétique, c'était de montrer que si on utilise un petit électroaimant, donc là il est alimenté par euh, l'espèce le, le, d'appareil avec des chiffres à, à gauche là, euh, c'est une alimentation de, de laboratoire. Et euh, j'ai alimenté l'aimant. Et on voit que bah, quand je colle, donc l'aimant, l'électroaimant, c'est quoi C'est du fil qui est enroulé sur les mêmes. Quand vous passez un courant à l'intérieur... Euh, et ben, le, 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 quand le, le, le fil est alimenté, ça va créer un champ, un champ électromagnétique, et donc grosso modo, ça devient un aimant, parce que là, c'est alimenté en courant continu, donc ça devient comme un aimant permanent. Et euh, quand je colle l'électroaimant euh, au morceau de métal euh, de manière verticale, et ben, l'électroaimant ne consomme pas plus d'énergie que quand il est posé sur la table. Parce que ce qui, ce qui fait que lélectro consomme de l'énergie, là, c'est tout simplement parce qu'on fait circuler du courant dans un fil, et donc le fil chauffe. Voilà. Et, euh, et donc c'est ça qui fait qu'il y a de la consommation. Mais par contre, le champ magnétique, lui, euh, vu qu'il est fixe, pff, il ne se passe rien, et peu importe si euh, je colle l'aimant <laughs> ou pas, ou voilà, ce que j'en fais. <coughs> Euh, tac tac tac. Donc voilà. Mais après, euh, ce qui est assez, euh, c'est vrai que c'est assez perturbant. Et euh, alors, et aussi un truc qui revient souvent, c'est de dire oui, mais si on utilise un isolant magnétique. Donc le, la théorie de l'isolant magnétique, c'est de dire oui. Alors euh, imaginons. Euh, alors ça, c'est magnétosynergie, Voilà. S'il y en a qui sont sur Internet, là, je, vous ouvrez un, <laughs> sur une deuxième fenêtre et vous allez voir. Vous allez, vous allez piquer des yeux. Euh, le, donc oui, le, le principe de l'isolant magnétique, c'est quoi C'est d'utiliser une matière qui est capable de couper les lignes de champ des aimants. Donc un, champ, un aimant crée un champ magnétique, un pôle sud, un pôle nord, et donc un isolant magnétique serait capable de couper ces lignes de champ de manière à ce que bah, l'influence la, la, de l'aimant soit euh, bah, limitée, on va dire, par euh, le bouclier magnétique. Et là, on a un petit montage qui montre le principe. Alors euh, vous avez un, un aimant qui est fixe en haut, on voit une espèce de petit plot là fixe, c'est un aimant qui est, euh, qui est tout en haut. Vous avez un autre aimant qui coulisse comme un piston euh, à l'intérieur d'une chambre là, qui, qui, coulisse, qui coulisse comme un piston. Les deux aimants sont, euh, ils sont, euh, ils se repoussent entre eux en fait. Et donc normalement, le, et ensuite vous avez la roue et en fait vous avez un système de vilebrequin, donc bah, c'est comme un piston quoi, c'est comme un moteur. Ça permet de faire tourner la roue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les deux aimants s'opposent. Donc normalement, les euh, bah, aimants qui coulissent devraient descendre et rester au fond, puisqu'ils s'opposent, donc il n'y a aucune raison qu'ils remontent, puisqu'ils s'opposent entre eux. Donc la, la force les empêcherait de remonter. Sauf qu'au moment où ils devraient remonter, vous avez le bouclier. Alors là, je vous le passe en 3D, vous verrez mieux. Voilà. Vous avez le bouclier magnétique qui vient s'intercaler entre les deux aimants pour couper les lignes de champ et donc faire remonter librement le piston en position haute, et ensuite, il découvre le piston, et pouf, là, il se re-repousse, euh, -re <laughs> voilà. et euh, il redescend jusqu'en bas, et puis ensuite, oui, il remonte. ça ressemble vraiment à un moteur thermique. C'est un moteur, ou... voilà, c'est oui. un, une espèce de moteur. Voilà. Et ça, ça ne marche pas bah En fait, un isolant magnétique qui serait capable de couper les lignes de champ, ça n'existe pas. On ne peut pas annuler l'influence d'un aimant comme ça. Ça ne marche pas. La seule chose qu'on peut faire c'est de déformer ce champ euh, magnétique, euh, par exemple en utilisant un, du, un, un élément ferromagnétique comme par exemple du fer ou de l'acier. Sauf que si on utilise du fer ou de l'acier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déformer les lignes de champ dans l'acier. Mais euh, le problème, c'est que bah, quand le, si on utilise un bouclier en acier, bah, l'acier va être attiré par l'aimant, tout simplement. Et ensuite, il va falloir faire un effort pour pouvoir... Reséparer l'acier de l'aimant, enfin, voilà, de le faire tourner. Donc en fait, le système s'arrêterait euh, très rapidement puisque euh, il se bloquerait euh, dès que le, 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 le morceau d'acier serait en face de, de, de l'aimant euh, fixe en haut. Je ne sais pas si j'ai bien été clair, c'est un peu. Euh un peu confus c'est des machines qui de toute façon sont pas très claires parce qu'elles fonctionnent ouais. pas par contre c'est marrant parce que les schémas sont presque convaincants il <laughs> y a ça aussi d'un peu magique j'ai l'impression dans, ouais, ouais, ouais. dans les machines à énergie libre c'est que quand on voit le schéma on se dit c'est pas forcément absurde quoi ouais ouais bah après il des... après bon j'ai fait une petite sélection là mais euh... C'est fou ce qu'on peut faire avec euh, un Solidworks cracké, Je pense que quoi. si, c'est aussi parce qu'on a une mauvaise intuition de l'énergie et de, de, des forces, justement, et de leur fonctionnement oui. euh, quand on le fait de manière sensible. C'est pas un truc. Euh, ça peut paraître assez facilement crédible. Hein. Alors, bien sûr, après, on pourrait aussi. Il euh, y a peut-être des petits malins qui vont venir et qui vont faire oui, mais si on utilise des matériaux diamagnétiques. Hein, Les matériaux diamagnétiques, c'est des matériaux qui. Quand ils sont plongés dans un champ magnétique, vont créer le champ magnétique inverse. Ils vont s'opposer en fait au champ magnétique, donc ils vont se, ils vont, euh, Donc il y a des petites expériences où on arrive à faire léviter des plaques au-dessus, par exemple de ce genre de truc. Mais ça ne change strictement rien à la question. En fait, on va déformer les lignes de champ, et donc ça va poser les mêmes problèmes. Ça va, ça va, ça va entraîner une dépense d'énergie. Donc c'est pas vraiment. Euh, on, on ne pourra, en fait, on peut pas créer un espèce de bouclier magique, déformer les lignes de champ. Ou isoler les lignes de champ de, de, de l'aimant du bas va se faire au prix d'une déformation du champ magnétique et cette déformation du champ magnétique demande une dépense d'énergie en fait. Voilà. Euh, alors on se dit ouais mais quand même, quand même quoi, quand même. Enfin je veux dire voilà, on fait un truc, on met ah, aisément, ça, ça marche ça. Voilà. <laughs> enfin on se dit, ouais mais quand même ça va... y est. Des aimants qui s'opposent, ça devrait tourner quoi. Voilà, euh, pourquoi, pourquoi ça, ça tourne pas Pourquoi le, la roue qu'on a vue précédemment, ça tourne pas Alors moi, il y a une analogie que j'aime bien faire, j'avais faite sur aussi sur la vidéo sur mon perpétuel, c'est cette analogie-là avec la gravité. Euh, donc là, par exemple, vous avez une, une espèce de, de chariot dont l'espacement des roues est calculé pour que aucune, enfin, pour que les trois roues ne puissent jamais être tout en même temps dans trois creux. Pourtant, si vous prenez une roue. Et que vous la posez sur cette espèce de route qui est que des creux et des bosses, bah la roue est en déséquilibre sur une bosse et elle va forcément tomber dans un creux. Donc la roue est perpétuellement attirée par les creux. Vous voyez Donc ça veut dire que si on crée un chariot avec un espacement de roues calculé pour que, aucune de, enfin pour que les trois roues en même temps ne puissent pas tomber dans un creux, et bah le chariot devrait avancer à l'infini, en fait. Mais bon, on comprend vite que non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Ben là, c'est exactement le même principe avec ça. C'est que quand vous opposez des aimants, vous commencez à accumuler des aimants d'un côté, etc., en fait, vous créez des puits magnétiques, entre guillemets. Vous créez des zones où vous allez avoir plus de force que d'autres, etc. Et donc, il va toujours y avoir moyen de trouver un équilibre quelque part. Et euh, si on ne trouve pas un équilibre, par exemple, euh, peut-être on passera la vidéo après à la fin euh, là-dessus, sur... Euh, le moteur magnétique là de, de M6, mais euh, grosso modo, si on fait un accélérateur magnétique linéaire, par exemple, il y en a qui s'amusent à faire ce genre d'expérience où euh, on met euh, plein d'aimants côte à côte avec des plusieurs aimants au bout, et en fait, si on met un, une petite bille magnétique, ou je crois que c'est, c'est juste une bille, c'est une bille, elle va être accélérée et puis elle va finir par euh, s'arrêter en fait euh, au bout parce que vous allez avoir une, une, comment dire, vous allez avoir un champ magnétique qui est plus puissant à certains endroits, quoi. Enfin, on verra mieux après avec le truc, parce que là, sans, sans schéma, c'est un peu compliqué. Euh, tac, tac, tac. Euh, donc voilà, on pourra faire ce qu'on veut, on peut mettre les aimants dans le sens qu'on veut. Euh, par exemple, Minato, euh, des aimants comme ça, euh, il en met je ne sais pas combien. Il y a des gens, ils s'amusent. Alors le, la mode en ce moment, enfin la mode en ce moment, euh, il y en a, ils s'amusent à mettre plein de roues côte à côte, avec plein de décalages différents, pour essayer de créer plein de déséquilibres différents, etc. Et à chaque fois, ça ne tourne pas puisque bah, ça finit toujours par trouver euh, <coughs> un point d'équilibre. Excusez-moi. Voilà. On euh, va avoir un quiz. Oui, quiz. C quiz, oui, oui. Presque oui. à la fin. Et oui, on est presque à la fin avant de finir. On reprend. Donc on a toujours énergie libre assiste hein, qui est premier. Il est temps pour Nolent et Charlie de se reprendre. On va vous laisser encore quelques secondes pour vous connecter donc à, à slides.com slash énergie libre. Euh, C'est la radio, hein, bien sûr. Euh, on vous laisse quelques secondes le temps de vous reconnecter. Je vous rappelle aussi que vous aurez les, la possibilité de poser des questions à Dimitri à la fin de la présentation après la courte pause de 5 minutes en utilisant euh, le AA Slides, tout simplement. Euh, vous pouvez poser vos questions dedans et elles seront récupérées par le Namek ici qui euh, nous les enverra si vous êtes sur le stream. Bien sûr, on en prendra aussi dans la salle. Je vous vois euh, réagir intensément euh, dans la salle et, euh, et ça, fait, ça fait plaisir. Est-ce que tout le monde est arrivé On va considérer que oui. Et donc c'est le départ de cette troisième question. À quel objet John Ernst Worrell-Kelly euh, aurait-il allumé son moteur lors d'une démonstration à New York en 1800 85, donc une bougie, un archet de violon, une fourchette ou un pot de chambre. C'est euh, original. Euh, donc euh, pointe, avec quel objet John Hurst Walrell Kelly aurait-il allumé son moteur lors d'une démonstration à New York Encore 7 secondes pour répondre. Je vous le rappelle, hein, plus vous répondez vite, plus vous faites des points. Mais si vous répondez faux, c'est zéro. Voilà, voilà. Le temps est coulé. J'en avais parlé de Kelly dans la vidéo, mais je ne sais pas si j'avais hey. parlé de ça spécifiquement. Ah, c'est incroyable hein, quand même, parce que effectivement, vous avez répondu à 39% euh, une bougie, et c'était une bonne idée. Mais ce n'est pas ça, c'était un archet de violon. Et ça, si, c'est pas beau. Voilà. Et euh, est-ce que Lélé, tu veux nous donner des détails sur cette, cette expérience Alors oui. Alors aujourd'hui, quand on consulte tes biographies de, de John Kelly, euh, c'est attesté que c'était quelqu'un de frauduleux. Euh, mais bon, il avait, il, il avait conçu une machine et il invitait les scientifiques et les, les journalistes à venir voir sa machine qui pour pour faire des démonstrations. Euh, et en 1885 il y a euh, il y a le New York Times il y avait, enfin, avait d'autres journaux qui ont été voir une démonstration l'article est assez amusant à lire parce que le, le journaliste n'y croit absolument pas mais euh, John Killy a allumé sa machine en faisant frotter un archer de violon avec un diapason et il supposait, enfin il disait que la, 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 les vibrations et la musique entraient en résonance avec une force qu'il appelait la force éthérique. Et donc, quand il faisait ça, euh, en gros, ça, ça, ça a provoqué un petit souffle euh, après qu'il ait euh, frotté son, son archer. Euh, L'article est très acerbe euh, et pourtant il a réussi à avoir de, plein d'adeptes. Euh, mais à, à son décès, alors il n'a jamais voulu vo de moteur, hein, ça n'a jamais été au bout. À son décès, il y avait ses adeptes qui sont allés chez lui parce que eux, ils avaient récupéré les machines et quand ils frottaient l'archet la, sur le diapason, bah ça marchait pas. Donc ils se sont dit peut-être que chez lui, il y, avait, il y avait des plans, des trucs comme ça. On va mieux comprendre. Ils sont allés à l'endroit où il faisait des démonstrations et ils étaient couverts qu'il y avait un système de courroies, de poulies euh, et de, 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 de tuyaux qui étaient cachés dans le sol et dans les murs et qui menaient des, deux étages plus bas à un moteur et donc sa machine n'était absolument pas euh, allumée par un archer de violon, mais en fait était alimenté par un moteur qui se trouvait deux étages plus bas ouais. eh ben... c'était plus précisément c'était ouais, de la de l'air comprimé, principalement qui était utilisé et euh, il y avait il y avait il y avait un moteur de compresseur et puis pour éviter qu'on entende le bruit du moteur il y avait une puis... énorme sphère était enterré dans le dans, dans l'arrière boutique et qui servait de réservoir d'air comprimé en fait pour pour faire tourner sa machine et il prétendait qu'elle pouvait tourner pendant des jours, etc. Mais dès qu'il faisait une démo qui durait plus de une heure, le machin il devenait tout mou, il avançait plus. Il <laughs> plus d'air. <laughs> C'était très drôle. <laughs> en tout cas, oh Pas de réponse d'énergie Libre Assis qui a soit pas joué, euh, soit qui n'a pas bien répondu. Et donc on a un gros retour de Charlie euh, qui prend euh, trois fois bonne réponse hein, et donc qui passe premier avec 2480. On est à la moitié du quiz. Vous pouvez encore revenir. Euh, on vous rappelle hein, un t-shirt et un mug à gagner euh, à la personne qui sera la première. Et tu peux reprendre. Ok, ça roule. Bon, alors euh, maintenant on va passer un peu sur euh, l'énergie libre. On a parlé du mouvement perpétuel jusque-là. Euh, mais les vrais de vrais, hein, <laughs> les, euh, les gens qui sont des vrais chercheurs de la vraie vérité, enfin qui, qui cherchent vraiment sur le mouvement perpétuel et qui y croient vraiment. Euh, eux, en fait, sont plutôt sur l'énergie libre. Alors moi, bon je troll un peu en disant le mouvement perpétuel va à l'encontre des lois de la thermodynamique. L'énergie libre aussi, mais c'est pas pareil. Euh, alors, l'énergie libre, c'est quoi bah, C'est une énergie qui répond, on va dire, à tous les problèmes énergétiques qu'on a du moment. C'est-à-dire c'est une définition qui est variante en fonction des problèmes qu'on a. Donc, par exemple... Le pétrole coûte trop cher ou euh, voilà, de plus en plus cher, l'énergie libre est disponible en abondance, voire à l'infini. Donc ça peut être par exemple le moteur à eau, ce genre de truc. Euh, tout le monde n'a pas accès à l'énergie, l'énergie libre est gratuite partout, tout le temps. Les énergies actuelles polluent, l'énergie libre ne pollue pas et ne demande pas d'extraire beaucoup de ressources. Et bien sûr, elle est gratuite ou presque, moyennant l'achat d'un système pour l'exploiter. Bien entendu, il faut bien vivre. Euh donc, en fait, le twist par rapport au mouvement perpétuel, c'est tout simplement que ce sont des machines qui ne vont pas à l'encontre de la thermodynamique parce qu'elles exploitent une source d'énergie inconnue. Vous voyez C'est qu'elles ne créent pas d'énergie, elles vont récupérer de l'énergie sur une source d'énergie qui est inconnue ou alors elles prétendent faire des trucs. Donc, très souvent, pour les moteurs à eau, c'est euh, oui, on exploite l'hydrogène, de l'eau, ce genre de trucs. Alors, je vais pas aller là sur le, le, les moteurs à eau c'est un, un peu plus compliqué. Un notre live. Voilà. Mais euh, bon, juste pour préciser, en fait, euh, récupérer l'hydrogène de l'eau demande de dépenser de l'énergie. Aujourd'hui, les meilleurs systèmes pourraient récupérer cet hydrogène en rendement d'à peu près euh, 20-30%. Euh, et euh, on va dire en hydrolyse. Hein, et, euh, et donc, euh, voilà. Euh, de toute façon, euh, on n'arriverait pas. Enfin, l'hydrogène, il faut voir ça, à partir de l'eau, il faut voir ça comme un vecteur énergétique. C'est-à-dire que c'est pas... C'est forcément, si vous avez l'hydrogène à partir de l'eau, l'énergie vient d'ailleurs, souvent, donc de l'électricité par exemple. Voilà, c'est juste pour préciser. Euh, voilà. Bon, et alors en général, c'est une énergie inconnue qui est tellement inconnue que euh, les gens qui prétendent l'avoir trouvée ne savent même pas ce que c'est, n'arrivent pas à la caractériser correctement, euh, et bref. Donc vous avez le keg, euh, bon, peut-être que vous avez vu ma vidéo là-dessus. Euh, quoi, keg le keg c'est Quantum Energy Generator. Ah bon d'accord. Si y a Quantum, c'est que c'est ça. Voilà. Euh... Donc on remarque qu'il y a ce pauvre Tesla en fond. C'est vrai qu'il y a Nicolas qui est là-bas. Voilà. Qui nous regarde. Euh... Donc comme je disais, hein, je pense pas que Tesla ait cru à l'énergie libre, parce que d'ailleurs pour l'histoire, on a parlé de Kelly. Kelly avait une associée qui était une dame qui croyait à fond etc euh, et qui a une histoire assez tragique parce que à cette époque-là euh, les femmes n'avaient pas le droit de faire des études donc elle s'était rabattue là-dessus alors que c'était une femme extrêmement brillante qui aurait pu faire des études etc et qui a fini en fait par être juste euh, parce qu'elle était riche elle avait, elle, avait, elle était veuve en fait d'un homme riche euh, elle a été juste euh, arnaqué par Kelly etc et euh, Tesla avait essayé plus ou moins de la convaincre en lui envoyant des lettres en lui disant euh, vous savez l'énergie libre euh, c'est un peu du bullshit quoi. si ça existait je le saurais je l'ai inventé voilà euh, mais à l'époque on n'était pas en train de montrer Tesla en disant il avait raison parce qu'il était vivant donc il pouvait venir pour pour contredire dire a... <laughs> oui. donc euh, en fait euh, ce qui est assez caractéristique de ces systèmes euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que j'ai fait tout un truc sur ma, ma vidéo, mais euh, c'est que dans ces trucs d'énergie libre, on va avoir des plans. Euh, donc en règle générale, euh, voilà, donc ça c'est extrait d'un bouquin euh, que j'ai réussi à choper sur Internet euh, par une voie détournée, parce que je ne vais pas payer pour ça non plus, il ne faut pas déconner. Euh, en règle générale, le modèle économique, c'est qu'on va essayer de vendre des bouquins, des formations, des trucs comme ça. Euh, et c'est souvent des bouquins mal faits, à moitié remplis de blabla pseudo-scientifiques, avec les plans à la fin. Donc l'argument, c'est on vous donne les plans, mais l'histoire de ne pas se sentir trop arnaqué, que le livre soit un peu épais, on remplit un peu au début. Alors bon, à l'époque, il n'y avait pas de chat GPT, donc on peut leur reconnaître qu'ils avaient écrit ça eux-mêmes. Maintenant, c'est plus facile. Euh, maintenant, tout se perd, ma bovna. Voilà. Thibault, si tu nous regardes. Voilà. Et donc en fait, on notera, là, c'est une vue un peu plus proche d'une des versions du keg il y en a eu plein. Euh, que c'est aussi bête qu'un moteur branché sur un générateur. Donc, c'est la version de luxe de la multiprise branchée sur elle-même. D'ailleurs, <laughs> je ne je, je vais pas parler de la multiprise branchée sur elle-même parce que, bon, quand même, bon, j'essaie de vous apprendre deux, trois trucs euh, ici. Euh... On entend dans le public, ça ne marche pas. <laughs> c'est vrai. Alors, ensuite, on a. Un gars qui est connu qui s'appelle Bedini. Et, euh, et là, vous voyez que euh, sa machine tourne dans un décor qui, euh, normalement, devrait vous parler. Ça, c'est chez toi Ouais le... c'est chez moi. Alors, j'aurais pu l'amener, mais c'est gros. Comment elle tourne sur elle-même euh, Parce que j'ai acheté un plateau de présentation. C'est bon ça. Euh, pour faire, faire du les... télé-shopping. Ouais, euh... La énergie infinie. J'ai ouais. mis le chat dessus, c'est très drôle. <laughs> <coughs> Euh, C'est la première chose que j'ai faite quand je l'ai ramené. À Et euh, la petite aussi essaye d'y monter, mais bon, maintenant elle fait, elle est, elle est trop lourde, alors le truc il galère quoi. Et euh, donc, euh, bon bref, qu'est-ce que je voulais dire bédini, oui, Bedini. Alors il est très connu hein, dans le milieu de l'énergie libre. C'est vraiment un classique. C'est un peu le daron. Hein. Euh, C'est une des figures les, les plus connues. Euh, j'ai prévu de faire une vidéo dessus, euh, mais je vais vous expliquer après pourquoi euh, je galère un peu à la terminer. Euh, il faut juste que je. Enfin, il faut juste. Je vous expliquerai après pourquoi. Euh, mais en tout cas, j'ai fabriqué sa machine à partir de, de plans. Donc là, ce qu'on voit, c'est la, la Schoolgirl Project, School Project. Pourquoi Parce qu'une des grandes fiertés de Bedini, c'est que sa nièce a remporté un concours de sciences grâce à sa machine. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, vous avez des concours de sciences. Alors je ne sais pas si c'est, je crois que c'est au collège, hein, c'est l'équivalent du collège, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ces fameux concours de sciences qu'on voit euh, dans les films. Où on fait les, les volcans, oui, euh... les volcans, les patates. Voilà, donc, ça. voilà, comme dans dans tous les films américains. Ouais, a voilà. -là, ouais. Je faisais la référence à Portal aussi. Ah. Euh, <laughs> et euh, et donc euh, c'est une version simplifiée en fait son moteur. Euh, bon, là il y a quand même euh, pour essayer de faire le plus proche possible des plans, j'ai quand même mis 180 balles d'aimants néodyme parce que sur la roue là il y a euh, 18 aimants ou 16 aimants au néodyme qui font euh, 10 cm par 5. Enfin, euh, c'est des gros parallépipèdes qui ont euh, je crois un truc comme 40 kg de résistance. Enfin, les trucs tu les colles, tu, tu galères à les, à les séparer quoi. Et en dessous il y a un énorme, une énorme bobine avec deux batteries. Alors, je vais expliquer le principe un peu après. Donc il a fait des bouquins avec son, son pote Berdon, euh, voilà. C'est typiquement le, le genre de couverture et de direction artistique de. Elle de, veut tout de dire route. la couverture. Est ouais bien. voilà. C'est euh, à euh, dire qu'il n'y a pas le regard de nicolas Tesla au fond. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc voilà la version schoolgirl, donc qui est la version simplifiée. Euh, et donc en fait le principe, alors je vais je vais le le, le, le faire très très simple. Euh, la bobine qui a à la base de la roue, donc là j'ai, on a ici la, le, le, le truc en train de tourner. La bobine qui est à la base de la roue, en fait, il y a donc une bobine, c'est du fil conducteur enroulé sur, sur lui-même. Il euh, y a deux, en fait, fils conducteurs qui sont enroulés sur eux-mêmes. Il y a, y a deux bobines en une, en fait. Il y a une bobine qui sert de trigger, c'est-à-dire que quand la roue tourne, on la lance à la main. Quand un aimant passe devant la bobine, Vu que l'aimant bouge, lui, l'aimant, il, il génère un champ magnétique fixe, donc il s'en fout, lui, il fait son boulot d'aimant. Mais vu que j'ai donné moi-même de l'énergie mécanique, j'ai poussé la roue, ben, le, la bobine, elle, elle va voir passer l'aimant et donc elle voit passer un champ magnétique variable. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un champ magnétique variable dans un conducteur Il y a un courant qui se crée, euh, les courants de Foucault, et donc il y a un courant qui va se créer dans, dans la bobine, du trigger, et cette bobine va actionner euh, un. Hop, un euh, transistor qui est ici, que je montre avec la souris là. Donc le transistor, il faut voir ça comme un interrupteur, hein, très basiquement. Donc la première bobine trigue le transistor qui se ferme, et le transistor il fait quoi Il alimente une deuxième bobine qui est alimentée par une batterie. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que quand un aimant passe, au début, il déclenche le, le, le transistor, le transistor active la bobine. Donc, la bobine génère un champ magnétique, et donc, en générant un champ magnétique, va attirer l'aimant vers elle. Et ensuite, la, le, deuxième, euh, le, le, le transistor s'ouvre, et donc, en gros, ce que ça crée, ça crée une impulsion qui relance la roue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un aimant qui passe, la bobine crée une impulsion magnétique qui fait tourner la roue. Et donc, là, on se dit, bon, ok, c'est un moteur, quoi. Genre, c'est un moteur nul, euh, qui avance à 2 à l'heure, qui n'est pas du tout optimisé, etc. Mais c'est un moteur électrique, basiquement. Voilà. C'est juste une bobine qui a moi, des impulsions électriques euh, à chaque fois qu'il y a un aimant qui passe devant. Et en fait, la bobine est auto-triguée. Euh, Elle s'auto-déclenche. Euh, voilà. Si on, si, on veut, euh, si on veut simplifier. Sauf que, il se passe un truc. Alors ça va être un peu compliqué euh, à expliquer ça simplement. C'est que, quand vous avez une bobine qui est complètement chargée et que vous ouvrez cette bobine, vous coupez le courant de cette bobine, qu'est-ce qui se passe Il y a une décharge, c'est-à-dire que la bobine en fait, s'oppose au fait que on change, euh, qu'on qu on, qu on ouvre, par exemple le transistor ici. Quand il va s'ouvrir, la bobine va s'opposer en fait, à cette ouverture. C'est un phénomène qui est très connu, euh, puisqu'en fait ce qui va se passer au niveau du transistor, c'est une pointe de, de, un pic de tension, un pic de courant et un pic de courant. Et parce que en fait, la bobine va se décharger dans le, va, va se décharger et donc en règle générale, euh, ceux qui euh, connaissent un minimum l'électronique, hein, c'est vraiment le niveau zéro de l'électronique, pour gérer ça, on utilise ce qu'on appelle une diode de roue libre. C'est-à-dire, en gros, il euh, y a une petite diode qui va récupérer cette pointe de courant et qui va la détourner du transistor pour euh, qu'elle aille se dissiper dans une boucle. En fait, c'est juste un, un mini court-circuit qui fait que le, 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 cette, cette pointe de tension va se dissiper. Et donc, ça évite de détruire le transistor, en fait, parce que... Euh, Sinon, il faudrait choisir des transistors beaucoup plus gros pour pouvoir piloter des bobines assez grosses, des charges, des charges inductives un peu plus grosses. Et en fait, Bedini, lui, ce qu'il explique, c'est que cette pointe de tension, là, quand on ouvre une bobine, en fait, on, 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 on cherche à s'en débarrasser parce qu'on nous a appris ça à l'école. En fait, c'est une source d'énergie infinie. Voilà. Sa, sa théorie, en fait, c'est ça. Donc, c'est de dire que c'est une source d'énergie infinie et que, euh, on pourrait récupérer cette énergie. Et donc le principe, c'est que vous avez une diode... Euh, alors, qui est... Euh, là, elle est où la souris Elle est là. <laughs> il y a un lag, en fait. Il y a, il y a un lag sur des désolé. Voilà, vous avez une diode ici, là. Et cette diode, en fait, elle est censée récupérer la pointe de courant au moment où on ouvre la bobine pour aller charger une deuxième batterie. Et donc, le principe de Bédini, c'est quoi C'est, vous avez une batterie qui fait tourner la roue, et vous avez une deuxième batterie qui est censée se charger plus vite que la première. Et ça... Ça, c'est beau. Bah pour moi, ça, c'est vraiment du génie. <laughs> c'est du génie, pourquoi Parce que quand vous fabriquez la machine, elle tourne, en fait. Moi, je l'ai fabriquée, je l'ai réglée un peu, j'ai un peu galéré, mais après, j'ai réussi à la faire tourner. Elle tourne. Et donc... Bah oui, il y a une batterie. Donc, imaginez, en fait, vous achetez les plans, machin, euh, vous achetez 180 balles d'aimant, vous galérez à trouver une roue de vélo au bon diamètre, vous fabriquez votre petit support, mon machin. En plus, je ne suis pas mécontent de ma petite impression 3D à la base, là, qui est très jolie. Euh, vous achetez les batteries. Alors, moi, j'ai acheté des petites batteries, mais il y en a, ils achètent des énormes batteries au plomb, euh, etc. Alors, conseil, pour ceux qui veulent le fabriquer, n'utilisez surtout pas des batteries au lithium, hein, attention. Hein. Parce que si vous envoyez des impulsions dans une batterie au lithium, vous allez avoir des surprises. Euh, C'est des batteries au plomb, hein, voilà. Euh, sinon, euh, je ne suis pas responsable des incendies. Moi. Euh, et, euh, et donc vous, après vous ne faites pas ça chez vous, voilà. s'il vous plaît. Vous trouvez les bons transistors et tout parce que bah, voilà, c'est un peu vieux parce qu'en fait ces premiers plans ils datent de début des euh, années 90, 2000, etc. Et surtout bah, après vous devez acheter aussi du fil de cuivre. C'est pas évident, c'est assez cher de trouver. déjà euh, de de trouver. Déjà faut trouver le fournisseur et puis après euh, c'est assez cher le fil de cuivre. Faut bobiner le cuivre. Donc là, il y, 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 y a plusieurs brins de cuivre qu'il faut bobiner. Donc j'ai dû aller dans la Pampa, tirer du cuivre, des 40 mètres de cuivre, machin. Enfin, un merdier n'est pas possible. Oui, mais c'était pour avoir de l'énergie gratuite. Voilà, c'est ça. C'est un en investissement. Fait, à la fin, ça tourne. Et donc on se dit, ah, c'est ouf, on touche au but. Alors qu'en fait, on a juste fabriqué un moteur. Alors c'est cool, fabriquer un moteur, c'est cool. Mais c'est un moteur. Voilà, c'est un moteur. Donc on va revenir après un peu plus tard pourquoi sur le, la, la, le principal, euh, enfin un, un des trucs qui fait que Bedini c'est assez euh, génial aussi, enfin il, il a son truc, il n'est il est, il est pas bête. Euh, ah enfin non, si justement on y vient maintenant, pardon. Euh, et donc le deuxième truc c'est que une fois que vous avez un moteur qui tourne, vous dites ok, bah alors ce que je vais faire c'est que je vais tester la charge des batteries. Et le réflexe en général pour tester une batterie, donc, je répète le principe de la machine de Bedini, même si vous n'avez pas compris mes explications un peu bizarres avant. Elle vide une batterie d'un côté pour faire tourner la roue, mais la roue est censée, le système est censé charger une deuxième batterie plus vite que la première. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se disent euh, je vais prendre un multimètre, je mesure la tension aux bornes de la batterie, si elle baisse, elle se décharge, et si elle monte, elle se charge, etc. Sauf qu'en fait,. Euh, N'importe qui qui utilise des batteries au plomb et qui, par exemple, des gens qui bossent dans les onduleurs, tout ça, savent que mesurer la charge d'une batterie avec sa tension, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable, en fait. Parce que ça dépend de la température, parce que la charge, la tension et la charge ne suivent pas, en fait, une courbe forcément linéaire. En fait, il faut avoir les, les caractéristiques du constructeur. Et puis on, aussi, on parle d'une batterie qui va se charger avec des impulsions. Donc, euh, c'est pas vraiment ultra recommandé et c'est pas vraiment comme ça qu'on charge une batterie normale. Et donc, il y a un énorme problème de protocole de test. Comment je teste si ce système fonctionne bien Et moi, c'est un peu le problème auquel je me suis retrouvé confronté. C'est que j'ai fabriqué cette machine, ça m'a pris pas mal de temps. Du temps, je ne sortais pas de vidéo, parce que c'était en début d'année là. Et je me suis retrouvé avec ça et je me suis dit bon, alors comment je vais tester mes batteries, mes machins, mes bidules Et puis là, il y a un gars qui m'a dit euh, ouais, tu veux venir y visiter le LHC J'ai fait bon. Euh, ça fera une vidéo, ça sera beaucoup mieux, et euh, celle-là, on va la mettre de côté. Donc euh, voilà, il faut que je la termine, mais euh, il faut que j'établisse un vrai protocole de test. Et en fait, un des énormes problèmes, euh, en général, de ces projets d'énergie libre, etc., c'est euh, de prouver, enfin de, de montrer euh, pourquoi, enfin, de, de faire un protocole de test correct pour prouver que la machine fonctionne. Donc là, on va voir un petit extrait de vidéo. pregledavanje postepenog oscilatora koji se sastoji znači od klatna i dvokrake poluke, osovina dvokrake poluke ispod ovih stubova. Možemo probati održavanje oscilacije putem generatorskih lampi koje isto imamo ovde devet, devet na izlazu. I sad, naravno, šta bi bilo zaočekivati da će ulazna energija biti sa većom indikacijom nego proizvedena, a to može malo probati ovako, putem dodira na, na platno. I sada znači, se primetiti da je proizvedena energija, mada možda je to grubo sakradavanje, ali, ali delo je da ima značno više Voilà. Alors j'ai oublié de préciser que c'était juste sous-titré en anglais, mais je pense que ça parle de assez, euh, c'est assez limpide. assez de... limpide. Donc en fait, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, euh, voilà, moi j'ai. Donc au bout, on a vu c'est des lampes. Il suffit juste d'appuyer dessus pour faire pour les éclairer. Et euh, il explique qu'avec une seule lampe, en bougeant le, le balancier, il arrive à éclairer. Je ne sais pas combien de lampes de l'autre côté. Bon, alors, pff, enfin, au niveau protocole, ça se pose là, quand même. <laughs> parce que bon, déjà, on ne sait pas quelle force il applique sur son balancier, alors que ce serait quand même relativement facile de faire un système qui apporte, applique une force constante, par exemple avec un moteur qui tourne. Non, comme parce qu'il le pousse avec une lampe. Oui, voilà. C'est très clair, moi je trouve ça très clair. Oui, voilà. Il a une lampe d'un côté, il y en a huit de oui. l'autre, et donc il a fait x8. Oui, c'est sûr que quand il pousse avec une lampe, même si elle est à fond et qu'il continue de pousser... Bah c'est pareil tu vois <laughs> voilà. et puis de l'autre côté on a les lampes qui tournent mais c'est les lampes LED donc de toute façon l'intensité lumineuse varie tout le temps on sait pas où est-ce qu'on en est il y a, y a aucun indicateur fiable il y a rien enfin bref ça, ça prouve absolument rien parce que des LED, de toute façon, à partir du moment où vous avez un tout petit peu de, c'est très sensible. Ouais, voilà, c'est très sensible et, et ça s'éclaire très, très, très vite. C'est très tolérant, voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on les utilise pour ce genre. De... Enfin, voilà, les LED on les utilise pour les lampes et tout. Et, euh, et donc, c'est très compliqué de faire un vrai. Un, un, un... Et en fait, oui, voilà, faire un vrai protocole de test pour une machine, bah, c'est compliqué. Voilà, il faut vraiment réfléchir vraiment à ce qu'on veut faire, etc. Quel matériel on va utiliser, dans quelles conditions on va l'utiliser, où sont les limites de test aussi Il y a toujours des limites en fait au protocole qu'on a, au matériel qu'on a, aux moyens qu'on a, etc. Et en règle générale, il n'y a absolument rien de tout ça dans les projets à énergie libre. Il y a des gens qui essayent de tester de manière très honnête. Ils essayent vraiment de, de, de faire ça correctement, etc. Euh, mais euh, très souvent ça pêche sur euh, des trucs, des machins. Alors j'ai une petite anecdote là-dessus, c'était sur euh, le fameux moteur Pantone. Euh, J'étais tombé sur une note de blog pareil sur Internet Archive, euh, sur une vieille note de blog euh, des Français qui avaient un peu importé le, le moteur Pantone. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de moteur Pantone. C'est le moteur à eau C'est le moteur à eau, ouais, grosso modo. C'est <coughs> une sorte de carburateur alternatif, euh, etc. Et euh, en gros, euh, c'est un moteur qui. Euh, on rajoute de l'eau en plus du carburant, et donc c'est censé consommer moins de carburant pour la même puissance. Et à l'époque, les gars, qu'est-ce qu'ils avaient fait Ils en avaient entendu parler aux États-Unis, ils avaient ramené ça en France, ils ont ramené les plans, et ils ont construit le système avec un moteur de tondeuse à gazon. Ils démarrent le moteur de tondeuse à gazon, ils tournent. Ils trouvent ça extraordinaire, génial et tout machin. Et là, ils vont voir, c'est vraiment pas bête, ils vont voir un garage, un garagiste. Et ils disent au garagiste, vas-y, euh, mesure la pollution du moteur. Tu vois. Et euh, du coup, le garagiste, il sort son truc pour mesurer la pollution des bagnoles. Quoi. Et il le branche au cul du moteur. Et il fait, oh, c'est incroyable, j'ai jamais vu des chiffres aussi bas et tout. Oui, c'est sûr que tu dois très souvent mesurer des tondeuses, euh, <laughs> des, 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 <laughs> la pollution des tondeuses, en fait. quoi. Et, euh, et oh, l'idée était pas bête, en fait. Le problème, c'est que par exemple, ils sont pas dit, bah, en fait, on va prendre le moteur de base. Avec le carburateur de base, faire des tests. Et ensuite, on va comparer avec le système. Et, euh, et puis, après, derrière, on va essayer de monter sur des moteurs 4 temps et machin. Non, parce que, bah, voilà, forcément, on n'a pas forcément ce réflexe-là. Et il y a ce côté de. On est très excité par le fait que ça marche. Et on se dit, oh là là, ça va marcher. Et puis, en plus, il y a un investissement, forcément. On, on achète les trucs, on le fabrique. Tout ça. Et puis, euh, bon. Tester, c'est bien. Mais se fixer un objectif, c'est mieux. Parce que le problème d'un système à énergie libre, surnuméraire, euh, énergie un euh, euh, per mouvement perpétuel, bah, c'est que l'objectif, c'est quoi C'est d'avoir un, un rendement supérieur à 100%, en fait. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de produire plus d'énergie qu'on en consomme. Voilà. Sauf que le problème, c'est que... Quand vous concevez une machine, euh, très souvent, vous avez des phases d'échec. C'est-à-dire qu'une machine classique, vous la fabriquez, vous la testez, elle fait plus ou moins bien le truc qu'elle est censée faire, mais euh, au moins vous, vous savez à peu près à quelle distance vous êtes de l'objectif. Mais là, en fait, si on prend la théorie officielle, hein, celle qu'on nous apprend à l'école, bah, la théorie elle est officielle, elle nous apprend que, bah, par exemple là, pour, mettons c'est pour un moteur électrique parce que ça dépend après des systèmes, mais pour un moteur électrique par exemple, plus vous approchez des 100% de rendement, plus ça va être difficile de gratter en fait du, de la, de, du rendement supplémentaire. Et ça va être exponentiel, c'est-à-dire que passer de euh, 90 à 99%, ça va être relativement facile, de 99 à 99,9%, ça va être l'enfer. Et de 99 à 99,9%, 999%, ça va être absolument... Il va falloir développer des nouveaux matériaux, travailler dans le vide, utiliser je sais pas, des supraconducteurs ou j'en sais rien. Enfin, ça va être l'enfer, quoi. Et en fait, on n'atteint jamais les 100%. C'est un mur. Et donc, si on fabrique une machine et qu'on se dit, OK, moi, mon objectif, c'est de faire 101%. C'est facile, 101%. C'est juste 1% de plus. Eh bien... Peut-être qu'on va réussir à monter un petit peu, et encore c'est même pas sûr, parce qu'il y a des chances pour qu'il y ait des expérimentations qui nous fassent reculer. Mais à partir de quand on se dit ok en fait ça marche pas. En fait, à partir de quand on se dit c'est bon, j'arrête. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont pouvoir se dire Non mais je, ça se trouve, si je me fracasse la tête contre le mur, là je vais peut-être pouvoir réussir à passer de l'autre côté en fait. Voilà. Alors bien sûr, on peut bouger hein, ces limites un peu de partout. On a vu par exemple euh, sur les machines thermiques avec le cycle de Carnot. Euh, petite anecdote aussi pour les machines, les éoliennes, vous avez le, la limite de Betz qui est aux alentours des 60%. C'est-à-dire qu'une éolienne ne peut pas dépasser les 60 et quelques pourcents de rendement. C'est impossible. Euh, voilà, donc c'est des limites théoriques en fait. Et, euh, et donc ça, c'est un énorme problème. Parce qu'un euh, protocole, il vous faut fixer des objectifs très clairs, et aussi il faut réussir à vous fixer des objectifs en vous disant à partir de quand je m'arrête. Et ça, c'est un énorme problème pour les, les, les tenants de l'énergie libre, euh, c'est qu'il n'y a pas ce genre de conditions, c'est à partir de quand on dit, bon ok, là le projet, il prend. Et en fait, en règle générale, il finit par être abandonné, on l'a vu là sur les blogs qui ne sont plus mis à jour et tout. Ce qui, bon, et voilà, il finit par être abandonné, et puis, euh, et puis voilà quoi, on n'en parle plus. Mais... Il y en a encore, hein. Il y en a encore, <laughs> ouais, y beaucoup Il y en a sur encore sur YouTube. Mais hein. bon, c'est... Voilà. On ne vous parle pas de ce trop actif parce qu'on n'a pas envie d'envie de leur faire de la promotion. <laughs> voilà. Mais ils existent. Sachez qu'il y a toujours des gens qui fabriquent et qui vendent des moteurs énergie libre actuellement. Voilà. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un risque, et même une certitude, que vous restiez coincé euh, dans le bas monde avec euh, des normies comme moi qui sont à gauche de la courbe, quoi. <laughs> Et puis que ceux qui sont à droite, il bah, y a des chances. Alors après, je sais, c'est complètement fou d'imaginer ça. Hein non, mais il y a des chances que ce soit des arnaqueurs ou des trolls. Sur Internet, c'est complètement fou. Non, de ça n'arrive pas. Moi, j'en ai jamais vu. Il a que des gens très honnêtes euh, sur voilà, Internet, voilà. tu sais. Hein. Si tu vas sur X, par exemple, il n'y a que ça. Ex-Twitter, on dit. Hein. Voilà. Ex-Twitter, ouais. <laughs> exactement. Voilà. Euh, voilà, donc bon, c'est complètement fou d'imaginer ça. Mais bon, on vit dans une saucisse, hein, dans, on vit dans une société, donc euh, voilà quoi. Euh... Alors ok, euh, bon, on va essayer de terminer assez vite, ça, ça commence déjà à être un peu trop long là, mon, mon explication. Euh, c'est juste pour vous montrer, donc après, euh... un truc assez intéressant aussi, donc c'est, euh... euh, là c'est Bedini qui avait fait cette espèce de petit schéma pour essayer d'expliquer pourquoi en fait son système... Euh, on va dire, euh, euh, ne viole pas les lois de la thermodynamique. Parce que lui, en fait, il dit Non, mais ma machine, elle a un rendement inférieur à 100%, elle ne viole pas les lois de la thermodynamique, c'est juste qu'elle a un COP infini. Donc le COP, c'est le coefficient de performance, il est utilisé pour les climatisations. Vous savez, une climatisation, enfin une pompe à chaleur, une pompe à chaleur, euh, vous dépensez euh, une unité d'électricité, vous obtenez euh, trois unités de chaleur euh, chez vous. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, il y a deux unités que vous prenez à l'extérieur, dans l'air ambiant, et euh, unité d'électricité que vous consommez, voilà. Donc le COP, en fait, c'est un calcul qui est principalement financier, parce qu'en fait, si on prend le rendement de la pompe à chaleur en termes énergétiques, qu'on prend tous les flux énergétiques, c'est bien inférieur à 100 C'est juste que l'air extérieur, on la paye pas, quoi. Voilà. Et donc lui, en fait, il dit, bah, à la place de l'air extérieur, j'ai ça, en fait, j'ai ce truc là. C'est la radiante énergie. C'est quoi ça alors, la radiante énergie, euh, c'est l'énergie négative qui vient du vide et de la courbure de l'espace-temps. Ok. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, oui, oui, oui. oui c'est littéralement ça. C'est ta gueule, c'est magique. Euh, <laughs> parce que, euh, à aucun moment, il explique, euh, à partir. à aucun moment, il, bien sûr, il prouve l'existence du machin. À aucun moment, il cite des sources dans son bouquin. Euh, pour étayer ses explications, etc. Le gars, en fait, il demande juste une chose, finalement, aux lecteurs et aux gens qui veulent fabriquer sa machine. C'est que ça existe. Voilà. Il, il nous il demande d'accepter que la radiante énergie existe. Et à partir du moment où la radiante énergie existe. Il suffit de la récupérer. Eh bien, on rentre dans un schéma de pensée. C'est-à-dire qu'on rentre dans une logique. On rentre dans un. un ouais, dans, une, dans un. Dans un un... C'est cohérent le reste à partir de là. Oui, voilà, dans un système cohérent, c'est le mot que je cherchais, qui permet en fait de, de pouvoir concevoir des machines, calculer des trucs, faire des variantes, etc. etc. Et, et ça, c'est quand même assez ouf, parce que en plus, bah, si votre machine elle, ne marche pas, bah, elle devrait marcher, puisque la radiante énergie existe. Donc en fait, c'est juste qu'on l'a mal fait. On a mal fabriqué la machine. Ah, tu la récupère pas bien. Donc il suffit, il faudrait euh, varier, faire des variantes, modifier. Peut-être que je sais pas, tes fils ne sont pas assez bons, je ne sais pas quoi. Et donc c'est ça qui est assez fou, c'est que euh, au fur et à mesure que j'ai fouillé un peu sur le net et tout, euh, c'est on, on pense souvent que c'est que des gens, on va dire oui, des gens un peu paumés machin qui n'ont aucune connaissance scientifique et tout. Mais non, pas du tout. Il y a des ingénieurs. Il y a des techniciens. Alors, c'est que des mecs. Hein. Je n'ai jamais vu une seule nana fabriquer des trucs à mouvement moment perpétuel. Euh... C'est peut-être le moment de se lancer. C'est <coughs> peut-être le moment de se lancer. Je pense qu'il y a un truc. Il y a truc. A créneau. Euh... Bon, faut... Plutôt que de faire sorcière sur TikTok. Je ne sais pas si... Bref, voilà. Donc là, par exemple, on a par exemple, un gars qui a une variante de moteur Pedini. Vous voyez que là, ça devient euh, wow. assez vénère. Quoi. Et, euh, et le gars, il a un atelier. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir le même. Quoi. Voilà, il y a un petit tour il y a du matos. Hein. Euh... Ouais, il y a du matos. Et il a... Il a des... enfin, dans la vidéo, après, on voit qu'il a quelques... quelques appareils de mesure aussi bien sympathiques. Il euh, a un joli petit chapeau aussi. Euh, voilà, donc là, il a fait un truc avec. Il a un t-shirt recyclage ouais. aussi, j'aime ouais. bien. Ouais. Ah, c'est l'énergie infinie. Ah, c'est hein. l'énergie infinie. Ouais. Voilà. Euh... Et donc, c'est ça qui est assez ouf c'est que ces gens-là, en fait, ils ont un rapport qui avec l'énergie, avec le, le principe de l'énergie libre ou avec la vision qu'ils ont de la technique et de la science et tant qu'on ne change pas ce rapport qu'on a en fait à la technique ou à la science qu'est-ce qu'on va faire si on trouve un système qui ne nous plaît pas on va se dire ouais celui-là bon il est pas ouf mais on saute d'un système à l'autre là par exemple on a un gars donc qui a fait du Bedini quelques années plus tard il fabrique ces trucs là quoi voilà, donc je ne sais pas, ça doit être... Alors, je vais pas regarder, mais ça doit être Il y a des bobines dans tous les sens, ça doit être un machin qui doit résonner ou un machin comme ça. Alors c'est beaucoup des Américains, parce que là-bas, ils font beaucoup de rassemblements. Ils aiment bien faire des rassemblements, ils montent leurs machines, tout ça. Euh, ils aiment bien faire ça. <coughs> voilà, donc c'est Rick, il s'appelle. Et lui, il est passé de Bedini à un autre système. Et donc voilà, là par exemple, rien que les, rien que les condos, là, il y a du pognon. Hein. Euh, voilà, et les, les petits multimètres flux et compagnie. Et, euh, et puis euh, même, il euh, bah, y a c des gens qui sont assez bons en mécanique, euh, qui savent se débrouiller en électricité. Euh, il ouais, faut passer pas s'électrocuter là quand même. il y a potentiellement des trucs mortels, quoi. Voilà. Donc, euh, non, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû mettre le feu. Euh. Bedini, il faut voir son atelier. Et le gars, il a des, il a des batteries, et des tonneaux. Je savais même pas que ça existait, quoi. <laughs> Et le mec, il en a, mais il en a à un moment, la, la, la rangée d'un mur. Mais le mec, il doit avoir peut-être, je sais pas, 100 kWh de batterie au plomb, euh, comme ça, quoi. Enfin, c'est. Voilà, donc en fait, c'est, je voulais un peu terminer là-dessus, sur ce fait que, après, sur l'énergie libre, on est sur un système de croyance, Donc, exact. Enfin, je ne vais pas dire c'est des sectes et compagnie, parce qu'on n'est pas sur la même gravité, évidemment. On est sur des bricoleurs qui sont entre eux. Euh, si on prend Bedini par exemple, les trois quarts des gens ils vont voir ça, ils vont se marrer, il y en a quelques-uns ils vont avoir un intérêt amusé pour le truc, ils vont peut-être s'y intéresser et puis voilà ils vont passer à autre chose. Dans le taille, il y en a quelques-uns qui vont essayer de les fabriquer, euh, il y en a c'est pour se marrer comme moi et puis il y, a, il y en a d'autres par contre, il y en a certains ils vont rentrer dans le truc. Ils vont acheter ses bouquins, ils vont regarder les vidéos, ils vont voir d'autres vidéos de gars qui machin. Et après, c'est le truc classique, c'est qu'on rentre dans un espèce de truc où à chaque fois, il ben, euh, y a machin qui vient, qui vend son bouquin. En fait, truc, il a fait une variante. Alors après, ils aiment bien mélanger les trucs entre eux. Voilà, donc tu peux faire du, du bedini euh, slash euh, minato slash... Euh, voilà. Et, euh, et donc c'est infini, en fait. Tu sautes d'un plan à l'autre. Ah, tu l'as du... dit. Oui, c'est infini, ouais. voilà. <laughs> Voilà, donc après, c'est ça aussi, qui, et c'est ça qui montre, c'est que le problème qu'il y a derrière, et je reçois, je reçois aussi certains mails là-dessus, quand je disais, voilà, je montre une machine, et puis après, il y a des gens qui me disent, ah, tu devrais faire autrement. Moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y, y, y a des principes, on va dire généraux, et c'est important, enfin voilà, et après, derrière, euh, oui, on peut essayer de faire fabriquer des variantes, mais de toute façon, on se retrouvera systématiquement avec les mêmes problèmes, quoi. Et derrière, après, voilà, si on croit qu'on nous ment ou qu'on nous raconte pas toute la vérité et tout, bon bah ben bah vas-y, fabrique des machines, quoi. Mais c'est juste que ça risque de prendre du temps quoi, et, et tu vas perdre de l'argent, quoi. Voilà. Voilà, c'était un petit tour des trucs. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Merci euh, beaucoup euh, Dimitri pour cette euh, présentation effectivement des machines de l'énergie libre et Je sais de pas combien de temps ça nous a pris là euh, ça, nous a pris, euh, ça nous a pris le temps qu'il a fallu euh, une petite heure et demie euh, ah, bon, voilà ça... écoute euh... j'espère que c'est pas trop long bah ils sont tous partis, hein. de toute façon, ils ne peuvent pas. Ouais. Donc, pour l'instant, euh, avant la pause, on va faire euh, la quatrième question du quiz. Et il en restera deux après la pause. <laughs> Ça vous force à rester pour les questions parce que souvent, c'est très intéressant aussi comme, euh, comme phase. Donc, ne partez pas pendant les cinq minutes de pause. Profitez-en. Allez faire pipi, laissez la page ouverte. On se retrouve. Mais tout d'abord, quatrième, le quatrième quiz. Vous le savez, vous allez sur aSlides/énergie ou le petit QR code. Euh, vous, on doit aussi vous donner le lien dans le chat, j'en suis persuadé. Euh, voilà, je vous laisse vous réinscrire. Je vous rappelle que vous pouvez gagner un t-shirt et un mug avec euh, écrit brutal, comme celui que je porte, le magnifique t-shirt brutal. Et le mug qui est ici, voilà, ce petit mug. Euh, voilà, petite caméra, tiens, c'est pour toi. profitez en euh, donc petit mug, petit t-shirt à gagner, euh, soit si vous répondez correctement au quiz. Et on m'a dit euh, à l'oreillette que euh, sur euh, Twitch, il y avait eu euh, suffisamment de personnes à donner. Donc il y aura bien un tirage au sort de points de chaîne sur Twitch à la fin euh, du live. Pour gagner aussi. Alors, euh, sur quel véhicule Stanley meilleur avait-il placé son moteur à eau pour prouver son efficacité un chariot élévateur, une tondeuse à gazon, un buggy ou le vélo de Len Armstrong. Euh, sans commentaire. Euh, 13 secondes pour répondre. Donc voilà. Donc en tout cas, le tirage au sort pour Twitch est, est lancé et euh, on va voir. Est-ce que va y avoir un changement dans le classement C'est parti. La réponse tout de suite. Et vous avez voté pour une... Euh... Et donc, c'était un buggy. Vous vous êtes fait eu parce que c'était pas la même anecdote. Et eh oui, ce n'était pas la même anecdote. Pas la... Ouais, on vous a fait des pièges. Et ouais, on est comme ça. Donc, on va aller voir les résultats. Est-ce qu'il y a un changement dans le classement Ah, on a une photo en plus. C'est un éméliorateur. Vas-y. Oui, donc qui était un pseudo inventeur américain qui prétendait avoir euh, inventé un moteur à eau euh, qui avait un rendement de 1000%. Ah euh, il, dans une interview, il a dit qu'il pouvait traverser Los Angeles-New York avec 80 litres, 83 litres d'eau, mais euh, il ne l'a jamais fait. Euh, et donc, il a, il a eu des investisseurs qui ont cru en lui, ça s'est fini en procès. Et en gros, dans le procès, il a été prouvé que c'était une simple électrolyse et que le rendement était bien, 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 bien inférieur à ce qu'il ce qu prétendait. C'est un peu une figure de, de, du complotiste parce qu'il a eu un décès que les complotistes aiment bien dire que, que c'était plus un assassinat alors qu'il est... Le, le, les rapports parlent plus d'une rupture d'anévrisme et d'une mort plus naturelle. Ouais, c'est le fameux moteur HHO. Je crois que c'est ça, HHO. D'accord. Et en tout cas, elle a fait un très beau buggy. Euh, donc, tout de suite, les résultats. Charlie euh, reste devant parce que tout le monde s'est planté. Euh, même énergie libre, assiste et coucou maman hein, qui sont pourtant très bons. Donc tout reste ouvert. Vous voyez, vous pouvez arriver maintenant et presque encore gagner, faire près de 2000 points. Donc si vous avez eu juste une bonne réponse, c'est encore le moment de, de jouer. Euh, on va faire notre petite pause de 5 minutes. Et puis, bien écoutez, on se retrouve ici pour euh, continuer et poser nos questions à messieurs Bidouille. Voilà, à tout de suite. Retour pour les questions avec euh, Dimitri. Euh, J'espère que vous avez pu profiter de cette petite pause pour euh, aller aux toilettes et, euh, et vous sustenter, peut-être. Euh, on va peut-être prendre une petite question du, du public. Est-ce qu'on a quelqu'un pour passer le micro qui est prêt avec nous ou pas du tout Ou je vais devoir. Euh... Là. Euh, non, pour l'instant, il n'y personne, donc on va prendre des questions du, du chat. Ah, écoutez, c'est pas grave. Euh, donc, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez passer une fois de plus par le à, à Slides. Il reste deux questions à poser qu'on va poser euh, une fois de plus durant le, cette petite soirée. Ah, voilà un passeur de micro. Euh, vous voulez préf préfère, tu préfères quoi Qu'on commence en la seule, euh, tout, ou dans la salle Bon, allez. On va prendre une question euh, du chat tout de suite et voir elle va s'afficher normalement. En tout cas, c'était une, une belle démonstration. T'as passé à peu près combien de temps, toi, à fabriquer des machines comme ça Voilà, euh, bon, après ça, c'est des trucs que j'ai, je fabrique un peu en dilettante euh, euh, parce que je voulais faire des petites vidéos Instagram pour rigoler. Ouais. J'ai pas le temps de les faire, mais bon voilà quoi. En tout cas, une question de Prout. Hein, oui, puis merci. les pseudos, hein, c'est pas moi euh, quid de la poussée d'Archimède énergie infinie ou pas ben on en a parlé avec euh, la flottabilité hein, c'est euh, le principe de mettre la sphère qui rentre dans la colonne d'eau et qui remonte et, euh, et voilà non, donc, donc <laughs> <non>. voilà <laughs> alors une question dans la salle, n'hésitez pas à lever la main non, vous pas de après il y a peut-être des salle. montages différents euh, que là j'arrive pas à me... Je ah sais non, pas, ils peut-être pas de tête. questions. Puis en fait, ça va nous faire rentrer plus tôt. Hein. Voilà. Mais euh... ouais, une remarque, vous n'avez pas, pas forcément que des questions. Question euh, devant. Alors, comment on met en perspective ce que tu racontes, euh, ce que as raconté avec euh, les réacteurs nucléaires ou la fusion, qui, elle, ne crée pas de l'énergie, euh, mais utilise un combustible dont on puise l'énergie dans les molécules. Euh... À l'origine, quoi. En évacuant, enfin, en cassant des molécules, on récupère de l'énergie. Donc, on n'en crée pas. Mais est-ce il n'y a pas d'autre chose qui peut être euh, utilisées le comment l'énergie qui est con, qui est issue de la matière pour la dériver en, en énergie mécanique bah, l'énergie issue de la matière. Après, donc, c'est vraiment l'énergie nucléaire et, ouais. et donc c'est là, c'est tout ce qui est physique nucléaire. Donc, après, il y a plein, plein, plein de manières de faire parce que des réacteurs, il y en a eu des, des concepts, il y en a plein. Y a, il y a du thorium, il y a les réacteurs à neutrons rapides, il y a les réacteurs haute température, il y a, y a plein plein de, de solutions différentes. Après, ce qui est assez intéressant en termes d'énergie, c'est que globalement, toutes les sources d'énergie, on les connaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, alors oui, bien sûr, il y a des gens qui vont venir... Enfin, oui, l'énergie primaire, quoi. L'énergie noire, on ne sait pas encore ce que c'est, oui, d'accord, mais là, on parle vraiment de choses extrêmement pointues, euh, où de toute façon, si on n'a pas un accélérateur de particules de 20 km de diamètre, euh, dans son garage, euh, ça va devenir compliqué. Mais, euh, ou des télescopes ou des trucs comme ça. Mais on va dire que, euh, actuellement, dès que vous avez une entreprise, je prends un exemple euh, je sais que, par exemple, il y a, y a une entreprise qui veut essayer de, de récupérer de l'énergie à l'endroit où le Rhône euh, rencontre euh, la Méditerranée, dans le Delta. Et donc, il y a de l'osmose qui se crée. Alors, je n'ai pas encore fouillé exactement ce que c'est, ce que moi, bon, la chimie, je ne suis pas encore ultra calé. donc euh, du coup, je n'ai pas étudié le truc. Mais voilà, dès qu'on dit ça, tu as dit osmose, donc en fait, on sait d'où ça vient. C'est-à-dire que peut-être que leur idée d'utiliser l'osmose est originale, de l'utiliser à cette échelle, etc., avec peut-être le matériel qu'ils ont et tout. Mais par contre, la théorie derrière, on la connaît. Donc si on fait venir des, 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 des experts, ils vont pouvoir calculer le rendement maximal, la quantité d'énergie qu'on pourrait théoriquement tirer. Et après, bien sûr, derrière, il y a l'ingénierie. C'est-à-dire que, euh, est-ce que c'est possible ou pas Est-ce que ça va poser des problèmes environnementaux Est-ce qu'il euh, est faut boucher le Rhône pour ça Est-ce que, voilà, est que ça va coûter trop cher et tout Et donc, euh, n'importe quelle source d'énergie. Aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on fait, c'est on ne découvre plus de nouvelles sources d'énergie. On découvre peut-être de nouvelles manières d'exploiter des sources d'énergie. Mais en règle générale, on améliore les sources d'énergie qu'on a. Quoi. Voilà. Et après, bien sûr, bon, c'est un exemple que j'avais pris dans, dans, dans plusieurs de mes vidéos, c'est euh, la fusion, par exemple, bah, on la poursuit parce que, bah, pareil, on sait que théoriquement c'est possible, on a fait les calculs, et de la fusion de thérium tritium, par exemple, on a déjà fait en laboratoire. C'est juste qu'on en fait à des, au prix de quantité d'énergie considérable, mais en tout cas, les résultats qui sont donnés par ces, 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 cette fusion euh, correspondent en fait aux calculs. Donc on, après, on, en extrapolant, on sait qu'on peut théoriquement atteindre... un... Un monde où on aurait de la fusion rentable énergétiquement. Voilà. Après, le problème, c'est qu'il y a tous les défis d'ingénierie, c'est que euh, il peut se passer des choses qu'on n'a pas prévues entre temps, quoi. Ça va prendre un petit. <coughs> Ça devrait pas nous sauver du, du dérèglement climatique, en tout cas. Bah, pas, pour... pas tout de suite. Euh, J'en profite pour dire et féliciter le gagnant sur Twitch qui a été tiré au hasard pendant la pause. Il s'agit de Cotelette. Alors, je ne passe... sais c'est pas ça, ça se prononce comme ça. C'est k o -T l 7 Moi je trouve ça assez joli de dire côtelette. Euh, donc voilà, donc tu pourras envoyer un petit mail à boutique.nesprod.net. Et puis euh, si tu arrives à prouver que c'est bien toi, on t'enverra euh, ton t-shirt et ton mug, que vous pouvez donc récupérer aussi là-bas sur le, la boutique de, de, du Vortex. Euh, on va prendre une question que je vois affichée ici euh, de Co. Euh, si je, le, je lis bien quelqu'un ah, je peux lire là aussi effectivement ah, oui. euh, quelqu'un a entendu parler de l'effet Dumas ça date d'il y a quelques années alors l'effet Dumas oui c'est un art des choix et moi je suis art des choix donc euh, du coup ça me blesse un peu euh... <laughs> euh, donc c'est quelqu'un qui avait fabriqué des sphères résonantes qui euh... donc l'expérience il est euh... passé à la télé lui, il dit. était passé à la télé ouais la en fait France euh... 3 régional ou des trucs la, comme la, ça hein. 14 en a parlé et tout donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la, la vidéo euh, mais là aussi, bah, c'est un très bel exemple de, du problème du protocole de test. Dumas, en fait, son expérience, c'était euh, une espèce de sphère alimentée avec du courant. Il la mettait dans la flotte ou à la surface de la flotte et ça chauffait l'eau. Et en fait, théoriquement, le volume d'eau euh, chauffée, la quantité d'énergie thermique euh, euh, emmagasinée était supérieure à la quantité d'énergie électrique euh, utilisée. quoi. Donc c'était meilleur qu'une euh, résistance euh, dans de l'eau. C'était pas une bouilloire voilà, c'est ça. Bah, C'était une bouilloire, mais une bouilloire à énergie positive. Euh, okay. Genre une bouilloire. Euh, L'eau était euh, plus elle, chaude elle, que le courant que tu mettais bon. dedans. Quoi. Okay. Voilà. Et en fait, euh, du coup, euh, il a voulu faire valider ça par euh, un organisme qui a voulu faire des tests. Et euh, ils en étaient arrivés au fait qu'il y avait un rendement de 110%, je ne sais plus trop bien, ou 116%. 116, peut-être. ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Hein. <laughs> voilà, 116%. Et lui, il était monté dans les tours, évidemment. Alors, euh, le problème, c'est que très vite, il euh, y a d'autres ingénieurs qui sont arrivés et qui ont fait, te, 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 fais, fais voir le papier, fais voir un peu. Non, mais en fait, vous avez mesuré votre volume d'eau n'importe comment, etc. Et en fait, le problème qu'il y avait, c'est que comment mesurer l'énergie contenue dans un volume d'eau euh, sachant que vous chauffez l'eau dans un point, donc forcément vous n'allez pas chauffer l'eau de manière uniforme. Euh, si vous l'agitez, bah vous rajoutez aussi de l'énergie. donc, c'est compliqué. et établir un protocole de test pour ça, c'est pas si évident que ça. faut bien le faire. Euh, et là, le problème qu'il y avait eu, c'est ça, s'il y avait eu un problème de protocole de test, et donc du coup, euh, en fait, c'était pas... Et pas un rendement supérieur ou ce genre de truc. Alors, le problème, l'entreprise le, qui avait fait ces tests-là s'était rétractée. Euh, Dumas n'a plus le droit de parler d'eux, je crois. Il y avait un truc comme ça. Il y a eu quand même une, sûrement une décision. Ouais, ben, il y a, même, en fait, euh, les gars ont très très vite mis les aérofreins et ils ont dit si on ne veut pas couler la boîte à cause d'une mauvaise réputation, il faut, faut s'éloigner. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Et. Euh, et, euh, et voilà quoi. Et après lui, euh, bah il, a, il a continué à vendre des, des trucs pour que les gens viennent fabriquer les sphères dans leur coin. Alors c'est c'est beau, ça fait un peu de vapeur, c'est voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un cas euh, assez intéressant. Euh, J'en profite pour remercier Maudit, qui nous a fait un, un raid avec 199 viewers. Merci à ah toi, bah c'est toujours un plaisir. Elle était dans le vortex aussi de cette saison. D'accord. Donc euh, voilà. Coucou Maudit. Merci, bienvenue. Une question dans la salle, ou pas, hein, je vous force pas, hein, vous le savez. Si on a une question, moi je vais me demandais juste si les, les lois de la thermodynamique sont des lois, on sait qu'elles sont vraies, absolument, comme en mathématiques, on peut avoir des fois des, des problèmes incertains ouais. et des problèmes sur lesquels on, on connaît la réponse. Est-ce que les lois de la thermodynamique c'est pareil ou est-ce que ça pourrait encore évoluer? Alors les lois, c'est pas des lois, c'est des principes. Alors c'est vrai que moi j'ai dit loi à des moments, et normalement il faut un peu un peu de langage de dire loi. Et les principes, euh, justement, il n'y a pas, il a pas ce côté de preuve mathématique, etc. C'est plutôt par l'observation. Donc en fait, en gros, euh, et d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est que les les principes de la thermodynamique ont été progressivement découverts, quoi. C'est-à-dire que en gros, euh, c'est un des Truc en physique qui vient plutôt de l'ingénierie à la base, notamment avec la volonté d'améliorer les machines thermiques, avec euh, la machine à vapeur, la révolution industrielle, etc., etc. On a commencé à se dire bon, comment on peut améliorer ces machines à vapeur Comment ça se fait que quand je mets un condenseur, par exemple, ma machine est plus efficace, etc. Et, euh, et donc euh, euh, c'est des lois, enfin c'est des règles, des, des principes, pardon, qui se sont mis en place progressivement, en fait. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, ben bah, alors, du pas coup, des vérités euh, ce n'est pas des vérités absolues. On pourrait observer euh, peut-être une violation de ces principes euh, sous certaines conditions. Le truc, c'est que ces principes, on les teste euh, tous les jours depuis. Enfin, euh, voilà. Surtout, en fait, avec les moyens qu'on a dans son garage, en faisant de l'électricité, en faisant euh, des aimants, en faisant euh, des trucs mécaniques, de l'eau ou ce genre de choses, euh, ce sont des. Comment dire On est à un certain niveau. Euh, qui a été euh, littéralement poncé, poli euh, par des euh, générations et des générations et des générations de, de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens, etc. Donc, euh, et pour l'instant, on n'a on pas, pas, pas trouvé de, de défaut. Merci. Je vais passer au quiz. Cuise. Avant qu'on oublie, il nous reste encore deux questions. Donc on va aller le retrouver. Question 5 sur 6, vous pouvez encore gagner. Si vous êtes dans la salle, vous avez une chance de repartir directement avec un t-shirt en, en L. Par contre, j'ai que ça ici. Euh, quel film met en scène Kenny Reeves en tant qu'étudiant en sciences qui découvre avec son équipe une source d'énergie propre illimitée, déclenchant une série d'événements périlleux euh, Chain Reaction Johnny Mnemonic, a Scanner Darkly ou Point Break Moi j'ai ma réponse. Je pense qu'il y a des surfeurs dedans. Voilà. Je ne l'ai pas vu. T'as pas dire. vu Point Break hein vachement bien. Le scanner der c'est à voir, c'est très très bien. Johnny Némonique, ça se regarde. Mais la bonne réponse, bien sûr, c'était Chain Reaction, parce que ça porte quand même vachement bien son oui, nom. Vrai. Et on va aller voir tout de suite s'il y a un changement dans les, les scores. Est-ce que Lele, tu quelque chose à nous dire là-dessus ou pas, sur ce film de qualité Il était jeune. Il était jeune. Mais euh... Pas grand-chose, juste que j'avais envie de faire une question avec quatre photos de Keanu Reeves et c'était mon rêve. <laughs> d'accord, d'accord, très bien, d'accord, très bien, c'est réussi. Non mais, euh, mais t'as raison, on a, on, a, si on a jamais assez de Reeves en photo. Euh, et en tout cas, grosse euh, ou la gros, euh, ouais, grosse voilà, montée ça a redistribué Charlie. Hein. Ouais, ça a redistribué Charlie qui est bien euh, bien parti devant. On espère euh, voir euh, dans la dernière question si euh, elle continue hein, sur cette euh, sur cette lancée. Euh, question du chat, après cette question du public. On va regarder ça tout de suite. Euh, alors, je vais la regarder là. Est-ce qu'il y a des personnes qui en faisaient des recherches pour construire une machine à mouvement perpétuel ou trouver de l'énergie libre on fait avancer les sciences et techniques autrement. Est-ce que ça... c'est vrai que ça pourrait découler euh, peut-être sur des choses qui... Ouais, on trouvait un, par hasard un truc autre chose un quoi. J'ai pas d'exemple. De... Je pense que s'il y avait un exemple, euh, il, serait, il serait tout le temps mis en avant. Quoi. <laughs> il serait mis en avant. Bah si, en y, y a le cas qui a fait gagner le, le concours de science à sa petite fille. Ah oui, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, euh, c'est le... déjà ça. Voilà. C'est dingue, bah, ouais. mais ça... oui, bah, c'est. Euh, J'ai pas d'exemple. On ne sait pas si non. elle devient scientifique elle. J'ai pas d'exemple. Euh... Euh, parce que même au 19e siècle, euh, quand tu lis les controverses euh, sur certains mouvements euh, perpétuels, euh, ça s'envoie des fions euh, vénères. Hein. Et, euh, <laughs> et, euh, et surtout, euh, tu as l'Académie des sciences et tout, ils euh, y, y vont franco, quoi. c'est-à-dire qu'ils les défoncent, les gars. Euh. Et c'est assez, assez marrant parce que des fois, ils débarquent en délégation. Euh, alors, euh, tu as un gars dans son château, je sais plus comment il s'appelle, le baron. Euh, dans le bouquin de Dirks, il a un il a une espèce de système euh, qui tourne avec des roues et compagnie. Oh, mais je ne sais plus quelle page c'est. Ouais. Ah mais c'est qu'il n'y a, a même pas de schéma en fait. Il y en a très peu. Ouais, ah, bah je suis assez ça, déçu. Est hein. bouquin du siècle, oh, en plus, c'est pas hein. cher. Il ouais, n'y a pas assez d'images. Mm -hmm. J'aime bien les images. Et, euh, et donc le gars, il avait un espèce de système. Alors c'est une roue qui tournait avec des, des balanciers et compagnie. Et, euh, et donc y a des sciences, le, le gars a fait parler de lui parce que c'était un... Bah C'était un noble en fait euh, qui avait du pognon et qui savait pas trop quoi en faire à mon avis. Euh, donc il avait fabriqué ça et il euh, y avait des scientifiques qui étaient venus et ils avaient dit bon bah voilà euh, on va vérifier, on va voir un peu si c'est pas si ça marche bien. Et puis à un moment ils disaient bah alors là il y a une grosse roue là euh, bien épaisse en bois, on peut l'ouvrir voir ce qu'il y a dedans et tout. Ah non euh, j'ai pas envie de montrer ce qu'il y a dedans tout ça machin. Et puis, euh, les, les gars de l'académie des sciences disaient bah, « Écoutez, euh, si nous, on ne peut pas regarder précisément comment c'est fait, on ne peut pas dire que ça marche. » quoi. Et l'autre, euh, du coup, euh, par peur qu'on lui vole son secret, il a détruit la machine. Voilà, ah c'est voilà De rage, il a tout détruit. Euh, du coup, il a emporté son secret dans la tombe. On sera jamais… En fait, on ne sera pas qu'il y avait quelqu'un, un gamin enfermé dans la roue là, qui devait tourner et puis… <laughs> Voilà. Mais c'est arrivé comme ça. Kelly, c'est pareil. Euh, je, je raconte l'anecdote dans ma vidéo. Euh, y, avant qu'il arrive, il y avait déjà d'autres arnaques et il y avait un gars qui présentait une machine à mouvement perpétuel. Et en fait, il y avait un type planqué dans le grenier qui tournait une manivelle, quoi. Et il y avait des fils, en fait. Il y avait un système de renvoi de poulies dans les murs et tout. Ah oui, quand même. Il y, y avait des gens courant alors de la supercherie. Bah, ça, ça là, là, fini... tu peux pas. Tu peux pas continuer de soutenir. Ça a a finit ton... par se faire découvrir, mais en fait, euh, très rapidement. Très rapidement, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à dire il euh, faut arrêter avec le monde perpétuel, euh, c'est impossible. On ne peut pas obtenir euh, Plus, quelque euh... chose à partir de rien, euh, c'est n'est pas possible. Et euh, je pense aussi que ça a très vite été admis parce qu'il y a un côté un peu on ne peut pas obtenir quelque chose à partir de rien. Il y a un côté un peu, je pense, un peu. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu biblique, peut-être, tu, ah. tu vois, genre un peu euh, tu ne peux pas obtenir euh... tout à partir de rien ou ce genre de mmh. choses. Tu penses que ça débonne que Dieu <laughs> peut-être pas mais voilà je pense qu'il y avait cette idée derrière aussi que euh, si tu pouvais obtenir tout à partir de rien c'était un peu bizarre quoi. Est, on n'est pas encore dans Star Trek quoi. Euh, une question encore du public oui non Allez, on, le, de retour je, pour continuer sur le même sujet juste avant là, intuitivement et c'est souvent le problème d'ailleurs mais on pourrait imaginer que le, le comment, ton, ta maquette là sur les aimants, euh, aurait, on aurait pu trouver un système d'orientation de, de, d'aimants qui aurait pu améliorer le rendement d'un moteur actuel, même si c'est déjà élevé. Quoi. Mais on pourrait se dire que tous les gens qui ont fait des expérimentations pour essayer de faire tourner ça, ceux, ils ont malgré tout euh, comment améliorer euh, d'une manière ou d'une autre, euh, comment euh, un positionnement des, euh, des, des champs pour améliorer le rendement d'un moteur. Ben. Bah... Non, même pas, parce que par exemple, une des grosses avancées dans le moteur électrique, je crois que c'était Siemens qui avait inventé ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, les slots en T dans les moteurs. Alors bon, là, il faut... Ouais. Si vous n'avez pas démonté un moteur électrique, c'est compliqué à expliquer, mais en fait, il y a des bobines dans les moteurs. Et à l'époque, en fait, les bobines, on avait tendance à les faire à des endroits... Fin... Alors, on ne savait pas trop où les mettre en gros, et euh, alors, au bout d'un moment, en fait, il euh, y en a un qui a eu l'idée de faire des sortes de T comme ça pour les mettre à l'intérieur, et ça a permis vraiment d'optimiser le placement des bobines, et l'idée aussi d'intercaler les bobines les unes sur les autres, etc. Et donc, en fait, si tu regardes un moteur, il y a vraiment cette idée d'orientation des champs pour que ça soit vraiment maximisé et tout, et, euh, et on retrouve en fait une logique qui est similaire euh, justement au, euh, à ces trucs d'aimants à un mouvement perpétuel, quoi. Et euh, le truc, de toute façon, c'est que l'orientation idéale, tu l'obtiens par le calcul. C'est-à-dire, tu, tu fais tes vecteurs et puis euh, tu, vas, tu vas obtenir tes, tes orientations. Et il n'y a pas 150 manières de faire. Après, je pense qu'il y a peut-être des trucs un peu plus originaux, tout ça. Mais euh, bon, euh, moi, de ce que j'ai lu, genre sur le moteur électrique, je voulais parler un peu de l'histoire du truc. J'avais lu quelques trucs, j'avais pas, pas lu de choses comme ça. Mais je pense que tu as raison, c'est que si ça avait été le cas, s'il y avait eu le moindre progrès dans la science générale grâce à quelque chose à l'énergie libre, il s'en vanterait beaucoup. Et donc ce serait une star dans le domaine de ouais, l'énergie. Oui, parce que même si on ne trouve pas, on peut découvrir un truc. Après, ce n'est oui, pas, voilà, impo pas impossible. C'est pas il y impossible, mais un petit Il y, y a un truc, truc dont, dont on avait parlé tous les deux, que tu n'as pas évoqué là dans la conférence, c'est le fait qu'ils <laughs> mettent souvent en avant le, le côté, il y a eu beaucoup de génies qui ont inventé des choses dans leur garage, seuls. Ah, oui. euh, et euh, ça va de... L'ordinateur avec Apple, au rock'n'roll, en passant par Tesla. Voilà, que, le que, mythe du le garage. Mythe, le mythe du garage qui, qui permet l'innovation. Et en fait, de nos jours, ce n'est plus du tout le cas. Euh, c'est plutôt le côté start-up. C'est des ingénieurs en tas, beaucoup. C'est des entreprises. Ça fait très longtemps, hélas, qu'il n'y a pas eu un gars dans son garage qui a pu inventer un truc révolutionnaire. Ouais, mais même, même au 19e siècle, déjà, c'était un travail d'histoire. Enfin, c'est une histoire collective. Et d'ailleurs, on voit très bien, euh, par exemple, euh, euh, sur certaines inventions. Alors, si je dis pas de bêtises, genre sur le moteur électrique, justement, il y a, y a des controverses comme ça, parce que vu que l'information mettait du temps à circuler, euh, euh, notamment à travers l'Atlantique, il ben, y a un gars qui découvrait un truc euh, aux États-Unis, et puis en fait, euh, à quelques jours près ou quelques mois près, il euh, y avait la même en Europe. quoi. Et, euh, et, et encore à l'époque, on pouvait avoir des gens seuls. Alors, seuls, c'est relatif. En général, c'était un gars avec du pognon, euh, qui pouvait faire travailler d'autres gars, mais ils récupéraient tout le mérite. Enfin euh, voilà, il y avait aussi ces histoires-là. Des fois même, il y a des femmes derrière, mais bon, euh, elles sont complètement occultées de, de l'histoire. Euh, et donc, après, derrière, ça crée ce mythe un peu euh, du génie, etc. Alors, il y avait des génies, genre Maxwell, par exemple, euh, voilà. c'est un monstre, le gars, quoi. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on euh, est à un, un tel niveau, parce que par exemple, Tesla, très souvent on dit, ouais, mais Tesla, c'est un génie et tout. Oui, enfin, Tesla, tu le ressuscites. Le mec, il serait ébahi des progrès qu'on a fait en électricité. Il, il irait dans une centrale nucléaire, il tomberait à genoux, quoi. Gars. Il serait là, mais c'est incroyable. Je ne pensais pas que vous arriverez à faire tout ça. Voilà, il serait comme ça. Il serait pas là en mode. vous hm, ferait mieux d'améliorer ça. C'est non. Et en fait, il, il apprendrait de nous. En fait, pourquoi bah parce qu'on a amélioré les systèmes et tout. Ça n'enlève en, pas le mérite qu'il a inventé, par exemple les systèmes triphasés, tous les systèmes de transmission. C'est lui qui a eu l'idée d'utiliser les transformateurs, les trucs comme ça, euh, les moteurs triphasés. Bah, c'est lui qui l'a inventé. Euh, la synchrone, donc, euh, le synchrone aussi, je crois. Et, euh, et voilà, donc le mec était, était bon, il hein, n'y a pas de souci. Mais maintenant, euh, euh, pour améliorer par exemple les moteurs, et ben, en ce moment, par exemple, une, une, un des développements qui a pas mal dans les moteurs et les générateurs, c'est la supraconductivité, notamment pour réduire le poids des, des générateurs qu'il y a dans les éoliennes. Ça demande du travail d'équipe de malades parce que bah, c'est très compliqué et, euh, et ça demande beaucoup, beaucoup de gens. Quoi. Il faut monter un IRM 80 mètres de haut, c'est pas forcément l'idéal. Ouais, voilà, c'est compliqué. Hein. Euh, <coughs> allez, ça y est, on va y aller. Dernière question du quiz. Moi, je veux ma réponse. Je veux savoir qui a gagné. Et après, on va prendre, je pense, peut-être encore une dernière question du chat avant de rendre l'antenne parce que pour une fois, on est pas en avance sur les lives du Vortex, qui n'arrive jamais, hein, bien sûr. Euh, C'est ça de ne pas avoir euh, d'horaire euh, complètement contraint. Euh, donc on va aller voir toujours le slides.com énergie. Alors si vous arrivez maintenant, vous avez peu de chances de gagner vu que vous ferez au maximum 1000 points. Mais moi j'ai envie de savoir si Charlie va s'en sortir. Donc euh, selon Victor Schauberger, hein, quelle entité était au cœur de ses théories sur la génération d'énergie Les vortex Aha les, les météorites ça c'est il faut y aller les horloges ou les poutres <laughs> euh, c'est vrai que les poutres les on n'en parle pas assez l'énergie de la poutre ça fait depuis depuis Manon on n'a pu assez de poutres au Vortex hein. alors est-ce que on va avoir une réponse de Victor le temps est écoulé la bonne réponse c'était les Vortex forcément hein, encore un très beau score euh, très belle très belle performance alors, est-ce que tu as une, une anecdote, euh, le. le Alors, juste pour dire que Victor Schauberger était un garde forestier autrichien qui a créé un système de, de, de flottaison pour transporter du bois dans des canaux de sinueux qui est plutôt efficace et est toujours utilisé. Mais plus tard, il s'est un peu plus. Euh, il a essayé de, de faire des théories sur euh, l'énergie, sur la génération d'énergie. C'était quelqu'un qui était qui aussi aimait bien le biomimétisme. et D'ailleurs, son système de flottaison euh, en approuve. Et il a fait des théories de, plus tard de, sur l'énergie, la génération d'énergie, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, euh, même contestée euh, fortement par la communauté scientifique. Euh, mais pourtant, pourtant c'est une figure assez euh, connue du monde des, 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 de, 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 de l'énergie libre. OK. Et donc, on va aller voir le résultat. Qui a gagné ce soir eh bien c'est Charlie parce que tout le monde fait zéro. Ouh, il y a eu une... Ouh, le bétonnier qui est revenu de très loin, mais ça ne suffira pas. C'est Charlie avec 3218 points. Donc une moyenne quand même à 500 points la question, c'est pas si mal. Et donc si Charlie a renseigné son adresse internet, recevra euh, mug et t-shirt. Voilà, et si jamais euh, tu peux prouver que c'est bien toi, <laughs> si jamais tu n'avais pas renseigné ton adresse internet, eh bien euh, on essaiera de retrouver cette personne pour lui envoyer son mug et son t-shirt. Brutal, hein, euh, en soutien au vortex, hein, le petit merchandising. Qui au pire, fait... comme oui. je peux modérer les questions, si jamais tu n'as pas mis ton adresse internet, tu peux l'envoyer en posant une question et je, la, je pourrai la récupérer. Ah oui, parce que tu verras que c'est bien Charlie qui pose la question. Ouais, ouais, ouais. Ok, faisons ça. Euh, est-ce qu'on a encore beaucoup de questions ou est-ce qu'on peut... peut tester la roue en forme de D là. Ah oui, on a... alors oui, tu as changé le modèle de roue. Alors, parce que on, on, on en discutait, je pense que ce, ce, ce schéma-là était pas bon. Ouais, il voilà, faut ça. que tu en fasses un nouveau. Ça, c'est la précédente. Ça, c'était la précédente. Vous savez, il n'y avait que des ça, lignes. Avec, la, et, et, avec, les frais, voilà. avec les demi lunes, je pense que ça va marcher beaucoup mieux. La caméra, là, voilà. Et on va tester avec les dés. Alors, je un peu. Ouais, donc là, on voit bien voilà. les, les dés. Ça va marcher, j'en suis sûr. Donc on va mettre des petites billes. Alors, ouais, regarde, ça marche Ça marche, arrête Non, mais c'était bien, là. Bah mais il manque une bille. Bah oui, bah. Voilà. <laughs> c'est toujours impressionnant hein, quand ça. Ah oui, euh, c'est ça. Enlève une bille et remets-la. Ouais, voilà, je vais Ah, oh, C'est fou quand même. Pourquoi ça ne marche pas bah, euh, euh, <laughs> Tu ne l'as sûrement pas, très bien, pas assez bien imprimé. Ouais. Euh, c'est pas assez parfait. Ton rendement n'est pas encore à 101%. Euh, Est-ce qu'on a encore une question dans la salle Non, ça va. Vous, vous êtes. Euh... Vous êtes satisfait de, de la performance de, de Dimitri Eh bien, peut-être pour une dernière question du chat avant de conclure. Est-ce que euh, les gars qui font des machines y croient dans la majorité ou bien ils savent qu'ils mentent et en tirent un intérêt Alors, ça, c'est une grande question du, des, des charlatans, on va dire, un petit peu en général. Ouais, bah après, là, on est vraiment dans un truc. Euh... Ça va dépendre. Ça dépend. Ouais, voilà, c'est un peu la réponse. Euh... Oui, ça dépend. quoi. C'est. Il euh, y a des gens qui y croient vraiment et qui sont persuadés. Qui y croient mais qui en tirent un intérêt. En général, quand tu commences à gagner de l'argent avec, ça peut être. Ouais, ouais, mais après, il y en a qui essayent un peu de. Ils voient qu'ils ont une chaîne YouTube, ça marche un peu, machin, leurs vidéos sont un peu vues. Paf, ça commence à demander un peu des dons parce qu'ils euh, veulent s'acheter du matériel et tout. Oui, bien sûr. Hein. Donc on voit que c'est oui, une démarche pas... un peu honnête parce que ça va être quelqu'un qui ne va pas. Suralimenter le truc à base de euh, vas-y que je te vends des bouquins et vas-y qu'une formation. Déjà, quand ça commence à déployer tout le business plan euh, euh, à base de euh, formation, de, de livres et de trucs et de machin, et que ça commence à sortir des, des explications un peu fumeuses et tout, bon, là, ouais, euh, il voilà, faut voilà, rester voilà. vigilant, on ouais. va dire. Mais si vous voulez vous amuser, essayer, C'est quand même. Ex... Est-ce que toi c'est un exercice qui t'a plu de les faire? Ouais, c'est bah rigolo. Après, euh, comme je disais, enfin, la, les, les aimants euh, c'est quand même assez cher, les, les aimants néodymes. Euh, donc, euh, faire attention à pas. Il ne faut pas y mettre non plus des sommes. Pas sur une et pour rien. Mais après, si on a une imprimante 3D, comme je disais, faire des petits 3 billes, euh, ce truc-là, ça se trouve très facilement sur Internet. Des billes, euh, moi j'en ai acheté. C'est, ça se trouve facilement quoi. Et euh, et des petits aimants aussi, bon c'est relativement simple à, à trouver, donc ouais on peut s'amuser à faire des trucs. Euh, et puis voilà, ça permet de faire des petites anecdotes euh, petites anecdotes en famille, on sort les, les roues, puis on dit Oh vas-y essaye oh, Ah ben ça tourne et très peu, bah oui. <laughs> C'est peut-être quelque chose pour expliquer justement les, les lois de la thermodynamique euh, ouais. aussi. Hein. Montrer les grands principes de la physique à travers des outils aussi simples, ça peut aussi. Voilà, on en pourra en tirer profit peut-être un jour de ces, de ces petites machines. Ouais. Euh, bah, tu euh, sais qu'il y a des. Tu vas sur AliExpress, tu vas trouver des... des générateurs de. Genre, je crois que tu as des... des moteurs de Bedini ou des trucs comme ça. Quoi. Ah, tu peux les acheter directement. Euh... Ouais, 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 t'en as des petits. Euh... Bon, écoute. Si jamais vous ne savez pas quoi faire de votre argent, euh, vous pouvez acheter un t-shirt euh, voilà, du Vortex euh, ou un magnifique euh, mug sur notre boutique. Euh, J'en profite pour conclure. Je vais te remercier tout d'abord Dimitri de cette euh, super intervention dans ton état. Hein. Ben, Félicitations d'être venu euh, jusque-là. Euh, franchement, vous pouvez l'applaudir effectivement parce que... Je sais combien... Euh, on a eu des petites sueurs froides. Toi, tu as eu des grosses sueurs. Et nous, on a eu des petites sueurs froides pour le, la, la tenue de, de, de ce live. Ouais, je vais bien Donc, dormir là. Ouais, Merci à toi d'être venu. J'ai quelques remerciements. Vous en avez euh, l'habitude. Et je vais essayer d'oublier personne. Donc euh, ici bien sûr hein, déjà Orange qui nous a accueillis une fois de plus dans cette superbe salle qui nous permet de tenir ces lives. Je remercie Prosper à la réalisation Lélé qui est donc à la modération et qui vous a préparé le quiz. Mathieu et Tristan qui étaient à la technique accompagnés de Gonzo ce soir. La musique c'était la grande table. Euh, je remercie donc chez Orange en particulier William Charlotte toujours parce que voilà sans elle ça n'existerait pas. Jean-Charles Rémi et euh, Hugo qui n'est pas là mais on te remercie parce que tu as beaucoup fait pour ça. Arte, hein, parce que bien sûr sans eux, on ne serait pas là. Et Nicolas Tesla, j'ai sur ma fiche. On ne sait jamais. Je remercie à Nicolas Nico. Tesla. J'en profite aussi pour vous donner le programme, si vous êtes sur le Twitch d'Arte, euh, qui, euh, qui va être la semaine prochaine. Donc rendez-vous le lundi 8 avril à 18h30 pour un stream scope scientifique et maritime sur la vie cachée des littoraux. Voilà, eh bien, vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez aller voir un épisode du Vortex aussi qu'on a fait avec Mary Wild sur euh, les, les, la mer. Vous pourrez aller voir, vous pourrez aller voir les dauphins, tout ça. Rendez-vous aussi également le week-end du 13 et 14 avril. Ah bah, ça j'y suis. Alors, vous allez voir, c'est bien pour les, les lives spéciaux au festival Frames à Avignon. Il y a des, live, des lives qui seront faits à Frames là-bas. Vous pouvez aller voir. Et nous, on fait une petite intervention sur le Vortex. C'est pas loin d'ici, ça. C'est pas ça. très loin. Avignon, c'est pour vous, c'est enfin, un peu loin. Mais si vous êtes sur Twitch, c'est envisageable. Euh, et puis. Pour le, vous pouvez aller sur le Discord aussi, d'Arte, euh, voir tout ça pour avoir plus d'informations. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Euh, je pense d'avoir oublié personne. Je crois aussi que l'on va raid quelqu'un euh, qui est, et eh bien Rivenzi, qui regarde un documentaire d'histoire. Ah, Donc magnifique. voilà. Merci à tous d'être venus euh, sur ce live du Vortex. Un autre très bientôt. Des bisous. Salut. 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 thank <laughs> you